Bonjour à tous, bienvenue donc à cette deuxième matinée du séminaire du réseau, donc du séminaire technique et développement apicole. Donc hier, on a eu une première matinée d'échange qui portait notamment sur les travaux du réseau avec les travaux donc, de BITSAP et des ADA. Donc c'était une demi-journée qui portait donc, sur les questions de bâtiment, de matériel, de références technico-économiques pour aider au chiffrage des installations et puis également une présentation sur l'étiquetage du miel et des différents outils qui existent dans le réseau. Donc aujourd'hui, on est réunis pour une deuxième session donc, qui porte plus sur les questions d'accompagnement à l'installation et à la transmission et avec des témoignages notamment d'autres structures, donc notamment témoignages de la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime, de la Chambre d'agriculture de la Drôme et puis également de deux CFPPA et puis un témoignage d'apiculteurs sur les questions de transmission. Alors, pour démarrer, en fait, on voulait vous rappeler quelques règles de fonctionnement donc, pour cette matinée. Donc, on est en mode de webinaire. Donc, ça veut dire que les participants, vous n'avez pas un accès direct donc, à votre vidéo et à la parole. Vous verrez uniquement donc, soit les présentateurs, soit les modérateurs donc, qui vont ensuite relayer vos questions. Et donc, suite à toutes les après chaque intervention, en fait, vous pourrez poser vos questions. Donc, pour cela, en fait, on vous demande d'écrire sur Zoom. En bas, vous avez une petite fonctionnalité qui s'appelle QER, donc, qui veut dire questions-réponses. Et donc, on vous demande voilà, de poser vos questions dans le QER et pas dans l'onglet discussion. Et donc ces questions pourront être relayées à la fin de chaque session par les modérateurs. Et puis donc j'attire votre attention aussi, vous pourrez regarder dans les questions résolues s'il n'y a pas eu aussi des réponses écrites à des questions qui vous intéressaient et que vous auriez aussi envie de poser. Alors, je vous présente le programme d'aujourd'hui. Donc, on va commencer avec une intervention sur l'accompagnement à l'installation. Donc, une intervention à deux voix, donc avec Florence et mon mari de la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime, qui travaille aussi pour l'ADANA, et Jérôme Mazouin, donc, qui est également à la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime, et donc qui nous apporteront des éléments sur quels apports complémentaires entre ADA et Chambre d'agriculture pour l'accompagnement à l'installation. Ensuite, on aura une intervention donc, de Fanny Poirier du CFPPA de la Côte-Saint-André et de Gilles Broyer du CFPPA d'hier sur le rôle des CFPPA dans le processus d'installation apicole. On aura ensuite une troisième intervention, donc ça va être le témoignage de deux apiculteurs de la Drôme, Jean-Pierre Basté et Daniel Chenevier, qui vont nous présenter comment s'est passée la transmission en fait, de l'exploitation de Jean-Pierre à Daniel. On finira donc par une présentation également donc, de la Chambre d'agriculture de la Drôme, donc avec Raphaël Maire et Muriel Landreau, qui vont nous présenter les étapes clés, et les accompagnements possibles sur les questions de transmission en agriculture. Et donc, on terminera le séminaire avec une conclusion donc, qui sera faite par Sylvain Lafarge, qui est président de l'ITSAP, Institut de l'Abeille. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer la première présentation. Donc, Florence et Jérôme, je vous laisse la parole pour commencer. Bonjour à tous. Donc les organisateurs du séminaire ont sollicité le réseau des chambres d'agriculture pour témoigner de la façon dont on peut accompagner les porteurs de projets en apiculture sur la phase d'installation. Donc, je les en remercie. Et donc, on va intervenir à deux voix. Donc, je suis à La Rochelle. Et puis, Jérôme. Donc, moi, je suis basé à Jonzac. Je vais peut-être me présenter du coup parce que j'étais pas présent hier, donc moi je suis basé à Jonzac Sud du département de Charente-Maritime. Je suis conseiller d'entreprise à la Chambre d'agriculture et je m'occupe principalement de l'installation des jeunes agriculteurs et à l'opposé la transmission aussi des exploitations. Voilà.
Et donc, pour compléter cette présentation, donc moi, je suis chargée de mission à la Chambre d'agriculture de la Charente-Maritime, mais j'ai aussi une partie de mon temps mis à disposition de l'ADA Nouvelle-Aquitaine. Et donc, c'est à ce titre-là que je vais intervenir dans la présentation ce matin, voilà, en tant que conseiller pour l'ADANA. Et donc, on va vous présenter donc, à deux voix la façon dont on essaie de travailler en binôme pour accompagner les porteurs de projets en apiculture. Alors, en Charente-Maritime, on va dire qu'on arrive à s'organiser. Notre objectif dans le réseau des chambres d'agriculture et avec l'ADA, étant de reproduire ce système de fonctionnement en binôme. Alors, voilà, ça fonctionne plus ou moins. Dans certains départements, l'organisation fonctionne bien, mais c'est vraiment notre objectif de dupliquer ce type d'accompagnement à deux voix entre les chambres d'agriculture et les ADA. Alors, voilà, donc on va organiser notre présentation en plusieurs temps autour, voilà, de ce cheminement qui est en fait le guide pour un porteur de projet avec différentes étapes pour partir d'une idée ou d'une envie à la concrétisation, donc à l'installation et au démarrage de l'activité en apiculture. Donc on va voilà, vous allez retrouver ces petits encadrés au fur et à mesure de notre présentation. Et donc vous verrez comment on s'organise pour accompagner les porteurs de projets. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, donc moi au niveau de l'ADA, je reçois une vingtaine de contacts chaque année de personnes qui sont voilà, dans la phase qui est en bleu là, sur ma diapo, qui ont une idée, une envie, un projet plus ou moins avancé d'installation en apiculture. Et en Charente-Maritime, on a une, deux ou trois installations aidées, donc d'apiculteurs qui suivent le parcours à l'installation aidée, donc ce qu'on va vous expliquer. Et donc voilà, avec un accompagnement en binôme dans la mesure du possible. Alors, on va utiliser dans notre présentation un certain nombre de termes. Alors, bon, voilà, donc on ne va pas tout lire en détail, mais vous saurez que ces définitions sont présentes dans le diaporama qui sera mis à disposition à la suite de l'intervention d'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on parle souvent de parcours à l'installation. Donc parcours, voilà, c'est avec des étapes et avec un certain nombre de procédures à suivre, avec un vocabulaire spécifique qui peut paraître, voilà, quand on n'est pas dedans, un peu complexe, mais voilà, il faut prendre les étapes une par une et c'est tout à fait faisable. Mais voilà, c'est vrai que c'est un domaine assez structuré, spécifique, avec des étapes à ne pas manquer, d'où l'importance de se faire accompagner dans ce parcours à l'installation et d'aller chercher des compétences et de l'aide pour que ça se passe le mieux possible. Alors, la première étape, la recherche d'informations. Donc, je te passe la parole, Jérôme. Ouais. Donc la première étape qu'un porteur de projet en agriculture au sens large hein, devrait réaliser, c'est le point accueil installation. Donc ce point accueil est présent dans chaque département. Et l'idée, c'est que la personne du point accueil conduise les porteurs de projet vers la bonne direction. En fonction de bah, s'ils veulent aller chercher les aides ou pas, les contacts pour différents sujets, hein, que ce soit des sujets administratifs, des sujets réglementaires, des sujets d'ordre sanitaire. Voilà. C'est vraiment le premier bureau d'information et d'orientation d'un porteur de projet en agriculture. Voilà. Voilà, et donc ce qu'on a mis en place en Charente-Maritime, donc c'est que notre collègue Nathalie, au point accueil installation, transmet systématiquement le contact de l'ADA au porteur de projet dès qu'il y a voilà, un projet en apiculture. Donc c'est au porteur de projet ensuite de me contacter pour voilà, entrer en relation, poser des questions
et avoir un premier échange, prise de contact et information. Donc, souvent, les porteurs de projets m'appellent. Donc, on a une discussion assez ouverte, un échange, je réponds à quelques questions. Je les informe de l'existence du guide du réseau des ADA, devenir apiculteur professionnel, donc qui a déjà été évoqué hier. Voilà, mais je réponds à leur première question pour leur parcours d'installation. Donc, au cours du point accueil installation, donc c'est cette personne, en l'occurrence Nathalie Dicheron pour chez nous, mais peu importe, va vous reconduire et va aborder notamment les premiers éléments importants. Et là, en l'occurrence, donc on a fait un zoom dessus parce qu'on a jugé utile d'en parler. C'est le statut MSA, voilà, qui va définir beaucoup de choses, c'est-à-dire que derrière, le statut MSA va définir si vous pouvez aller chercher ou pas les aides à l'installation. Il y aura aussi, de par ce statut, des conséquences sur les cotisations sociales, mais aussi les prestations. Enfin, voilà. Donc, le statut, c'est quand même un élément très important à définir au début de son projet. Est-ce que je veux m'installer en tant qu'exploitant agricole ou je veux simplement rester cotisé solidaire. Je ne rentre pas dans les détails des statuts, mais voilà, c'est un premier niveau d'information. Et pour être reconnu en tant qu'exploitant agricole, d'avoir ce statut social auprès de la MSA, pour l'apiculture, il faut atteindre la SMA surface minimum d'assujettissement. Forcément, en apiculture, ça ne va pas s'exprimer en surface, mais en nombre de ruches, on va être sur 200 ruches, voilà, pour être considéré exploitant agricole. Ces 200 ruches peuvent se coupler à un temps de travail. C'est-à-dire que si vous n'atteignez pas le nombre de ruches, on peut coupler avec un volume d'heures. Souvent, on peut le justifier dans le sens où en apiculture, on va avoir de la vente directe, un atelier de transport, de transformation, d'extraction. Enfin, voilà. Donc, on peut coupler avec un volume d'heures. Exemple, on pourrait être considéré à 100 ruches plus 600 heures d'activité et ça permet d'atteindre cette activité minimum d'assujettissement. Voilà. Voilà. Donc, ça c'est un des volets que vous pouvez aborder au point accueil installation, c'est ce statut social. Le point accueil installation va permettre, entre autres, de réaliser ce qu'on appelle un autodiagnostic. Cet autodiagnostic, c'est un outil d'aide à la réflexion d'un projet d'installation. Donc, ça va vous obliger à réfléchir à chaque item que comporte un projet d'installation. Je parle de statut social depuis tout à l'heure, mais il y a le volet fiscal, volet administratif, réglementaire, voilà, juridique. J'en passe. Et cet autodiagnostic permet également, au-delà d'être un outil de réflexion, il permet de rentrer dans ce qu'on appelle le PPP, le 3P, plan de professionnalisation personnalisé, qui est un outil dont la validation permet de demander les aides à l'installation et vous permet aussi d'avoir accès à d'autres avantages que je ne vais pas détailler aujourd'hui. Voilà. Donc, du coup, on vous présente les deux parcours, que vous rentriez dans un parcours aidé ou non aidé. Donc, on retrouve en premier, hein, de gauche à droite, on va retrouver le fameux point accueil et installation avec son autodiagnostic. Derrière, vous allez pouvoir rentrer dans la cellule PPP. Je viens de parler du PPP. Bon, ben voilà, on est là, dans le cadre de la construction de votre PPP avec des conseillers, deux conseillers. Hein. J'en reparlerai tout à l'heure. Le parcours PPP que vous, cette fois-ci, vous réalisez. Donc, le parcours PPP, j'espère être clair, c'est un parcours de stage, de formation. Voilà. Et dans le parcours aidé, la validation de ce PPP est indispensable pour aller chercher les aides. Donc là, on voit toute cette partie en jaune qui, on va dire, une partie où vous réfléchissez à votre projet et où vous vous formez pour ce projet. La partie en verte, on va retrouver eh bien, toute la partie de construction du projet, c'est-à-dire que là, pour l'installation aidée, on va avoir une étude économique et la réalisation d'un plan d'entreprise qui sera indispensable. Voilà. Et les démarches d'installation qui suivent.
je rentre pas non plus dans les démarches, dans le détail, pardon, des étapes de dépôt de dossier, de CDOA, etc., que ça, vous pourrez creuser ultérieurement. Sur l'installation non aidée, finalement, ce qu'on a voulu mettre en évidence, c'est qu'on a sensiblement les mêmes choses, qui ne sont pas régies aussi organisées, parce que là, vous êtes un peu plus libre de faire ce que vous voulez, hein, vous n'allez pas chercher d'aide à l'installation. Je reviendrai tout à l'heure hein, sur ce qu'il y a derrière cette notion d'aide, hein, bien entendu. Mais on a pu mettre en évidence que finalement, même si vous n'allez pas chercher les aides à l'installation, le contenu, il est quasiment indispensable pour s'installer parce qu'il est plutôt cohérent. On va avoir un point accueil installation qui vous donnera toujours le premier niveau d'information, des formations techniques parce que ben, c'est indispensable et des notions administratives et réglementaires. Une étude économique indispensable également pour appréhender votre projet d'un point de vue économique et financier. Donc, faire le point sur ses compétences. Donc, je viens de parler du CEPPP. Donc là, on fait un petit zoom hein, sur cette partie-là. Les deux conseillers, compétences et projets, vont vous accompagner à la réalisation de ce PPP. Vous allez définir tous ensemble un PPP, ce fameux parcours. Donc on a vu mettre en bas de diapo, vous voyez un ou une conseiller et conseillère technique de l'ADA peut intervenir pour bien en tant que consultant en fait hein, pour savoir d'un point de vue purement technique de quoi le porteur de projet aurait besoin. Voilà. Donc ce PPP il peut contenir des formations qui vous permettent de vous former à l'environnement administratif et réglementaire de l'agriculture au sens large, mais c'est aussi le moment de rentrer dans les spécificités de votre activité et de vous former éventuellement ou de compléter votre formation d'un point de vue plus technique. Voilà. Donc, on parle d'un PPP d'environ 6 mois, mais bon, ça dépend du besoin de compétences qu'on a. C'est pas évident de faire des moyennes. Voilà. Donc là, enfin, sur ce volet formation, moi, j'insiste souvent sur la nécessité de se former avant de démarrer une activité apicole. Donc, on a parfois des porteurs de projets qui ont une activité d'apiculteur amateur hein, et qui ont le projet de s'installer en apiculture. Mais il faut pas sous-estimer la technicité nécessaire et des compétences à acquérir pour réussir un projet d'installation en apiculture et passer de 5 colonies à 100, 200 ou 400. C'est une grande marche à franchir. Et donc, voilà, la formation est vraiment un point important dans la réussite d'un projet d'installation. Alors, une petite précision, donc les formations sont éligibles dans le cadre du PPP au financement Vivea, donc au fonds de formation des exploitants agricoles, même pour les personnes qui sont dans le parcours installation qui ne sont pas encore affiliées à la MSA. La condition, c'est que les formations soient inscrites dans le PPP. Donc, il faut y penser dès le début de la réflexion sur ce parcours PPP, de bien indiquer, voilà, si vous envisagez de suivre une formation sur la transformation des produits de la ruche, les calculs de coûts de production en apiculture, c'est des formations qui existent et il faut les prévoir en fait dans le PPP pour que ce soit éligible au fonds de formation Vivea. Et puis un autre point important, c'est dans ce parcours 3P, vous voyez indiqué en haut là, 21 heures. Donc ce 21 heures, c'est en fait 3 fois 7 heures, c'est 3 jours de formation qui sont organisés pour les porteurs de projets de manière générale, quelles que soient les productions. Et c'est pour vous l'occasion de rencontrer d'autres porteurs de projets dans d'autres productions. Mais c'est toujours intéressant de voir sur votre territoire, parce que c'est des formations qui sont organisées localement, de voir sur votre territoire quels sont les projets d'installation, qui vont être vos voisins, avec qui vous allez travailler. Et ça vous permet aussi de bien connaître l'environnement dans lequel vous allez travailler par la suite. C'est un moyen, si je peux compléter, de connaître quand même l'ensemble des structures agricoles qui gravitent autour d'une exploitation agricole, quelle que soit la production, quoi, en fait. Hein. C'est important de s'imprégner de
de cette structuration. Et je voulais juste revenir sur la notion des deux conseillers qui vous accompagnent, qui sont souvent des conseillers généraux, hein, donc qui n'ont pas forcément des spécificités apicoles. Mais c'est là que vous pouvez être acteur, hein, de la construction de votre 3P en soumettant, comme l'a dit Florence à l'instant, d'autres formations. Donc, à vous aussi d'être acteur de ce PPP, quoi, hein, enfin, véritablement. Voilà, donc pour vous aider dans cette démarche-là, donc l'ADA édite chaque année un flyer avec un extrait du catalogue de formation proposé par l'ADANA. Et ce petit flyer est disponible dans tous les PAI de la région Nouvelle-Aquitaine. Et l'objectif, c'est bien ça, c'est de vous informer des formations existantes et d'avoir des contacts pour vous donner envie, de vous donner l'idée de participer à des sessions de formation sur les thématiques en lien avec l'apiculture. Voilà, donc l'étape suivante, donc là on entre dans la partie verte du schéma que Jérôme vous a présenté. Donc on est dans la phase de construction du projet viable, voilà, parce que l'objectif c'est que le projet soit viable, bien sûr. Alors pour l'élaboration de ce projet, donc vous êtes accompagné par un conseiller d'entreprise de la Chambre d'agriculture, qui donc aide à la formalisation du projet, donc sur le volet économique et financier, et puis qui suit toute la partie plus administrative et de calendrier pour la construction, le remplissage de documents qui sont demandés en fait dans le cadre du parcours à l'installation. Donc il y a un certain nombre de formalités administratives à réaliser, des attendus pour le contenu des études. Et donc ça, c'est vraiment la compétence du conseiller d'entreprise de la Chambre d'agriculture dont c'est le métier, bien connaître tous ces supports, les méthodes, les calendriers, et de vous accompagner dans ces démarches d'installation. Et en parallèle, donc, au niveau de l'ADA, nous, on intervient donc, pour apporter des éléments spécifiques de la filière pour la construction du projet, donc sur des éléments techniques de cheptel, combien de colonies, combien d'essaims je prévois, comment je multiplie, sur les investissements, avec des apports économiques et techniques en lien avec la réalité de la filière localement. Donc, je vais vous détailler ça dans la diapo suivante. Et donc, ce qu'on organise en Charente-Maritime, c'est à ce stade-là, peut-être un peu avant, quand on est dans la réflexion et les premières étapes du 3P ou au démarrage des études, un rendez-vous, une réunion à trois pour justement échanger sur le projet et avoir les regards croisés avec l'apiculteur, le porteur de projet, le conseiller d'entreprise et puis donc le regard de l'ADA pour le volet plus technique. Donc au niveau de l'ADA, donc les éléments qu'on apporte aux porteurs de projet, donc c'est d'abord des références techniques de la filière. Donc ça a été présenté hier, donc on reprend les éléments quand c'est pertinent du réseau de références qui est piloté par l'ITSAP, dont l'ADA fait partie, donc qui permet d'avoir des éléments de référence sur des cas types en apiculture qui sont bien utiles pour avoir des ordres de grandeur de cheptel, de temps de travail, de surface de bâtiment, d'investissement à prévoir. Et on complète ces informations nationales par des informations liées au contexte local. Donc, à l'ADA, par exemple, on réalise chaque année une enquête de production. Et donc, ça permet d'avoir des éléments plus précis sur les éléments qu'on peut intégrer dans un prévisionnel. Donc là, vous avez par exemple les rendements moyens à la ruche pour la saison 2020.
Donc, c'est sûr que pour le porteur de projet qui, dans son prévisionnel, va mettre, bon, je mets quelque chose d'assez caricatural, mais 20 kilos de châtaigniers et autant d'acacias, en 2020, ce n'était pas le cas. Voilà, ça permet de situer un petit peu les éléments techniques. Donc là, je vous mets l'illustration du concours des miels, donc qui est co-organisé par l'ADA, pour vous indiquer, voilà, à l'ADA, on dispose aussi d'éléments sur l'aspect commercialisation. Voilà, les filières qui existent, des coûts et des prix de vente sur lesquels on peut se baser pour établir un prévisionnel. Il y a aussi la partie bâtiment. Voilà, donc on a des références d'apiculteurs qui ont des bâtiments avec l'accompagnement de l'ADA. Donc ça permet d'avoir des références sur des surfaces à prévoir, des techniques de construction, des coûts, voilà, toujours pareil, des points sur lesquels se baser pour construire son projet. Donc on a des outils spécifiques à la filière. Donc l'exemple, c'est l'outil ProAPI, donc, qui a été évoqué hier également, donc, qui est donc une plateforme qui est destinée à calculer des coûts de production et donc qu'on peut utiliser en prévisionnel. Donc faire des simulations sur des coûts de production et donc une des sorties de l'outil, c'est aussi de pouvoir travailler sur des rémunérations de l'atelier apicole, donc ce qui permet de calibrer les projets et les rémunérations des exploitants dans les premières années de démarrage. Et puis, donc, le conseiller de la Chambre d'agriculture vous accompagne dans les démarches liées à l'installation, hein, donc les documents et les formulaires et les procédures à suivre dans le parcours installation. Et donc moi, au titre de l'ADANA, je complète par des infos liées aux démarches spécifiques à l'activité apicole. Donc là, je vous ai mis en illustration, donc bien sûr, la démarche de déclaration de colonie. Et le CERFA que je vous ai indiqué, c'est ce qui concerne les ateliers de transformation. Voilà, donc il y a les démarches spécifiques à ne pas oublier dans son projet d'installation. Donc tout ça permettant, c'est le titre de la diapo, de construire un projet viable et réaliste. Alors la question a été évoquée hier, est-ce qu'il faut être plutôt optimiste ou plutôt pessimiste? Je crois que c'était ça la question hier. L'objectif, en tout cas pour nous, c'est que le projet soit viable et réaliste pour le porteur de projet, sachant qu'un des enjeux derrière aussi, c'est d'obtenir des financements, hein, c'est d'aller voir les banques avec un projet qui tient la route pour aller négocier des emprunts pour lancer le projet. Donc voilà, avec le binôme Chambre et ADA, on se met autour de la table pour vous accompagner et sur chaque point à prendre en compte dans votre projet apicole, d'avoir les éléments les plus précis, les plus justes possibles. Donc là, on passe sur la partie Donc, aide. Vas-y, voilà, Jérôme. donc dans la continuité hein, de construire un projet viable, on va avoir des conditions à respecter par rapport aux demandes d'aide à l'installation. J'en parle depuis tout à l'heure de ces fameuses aides à l'installation. Je parle en particulier de la dotation jeune agriculteur, DJA. Cette DJA, elle est possible sous certaines conditions et notamment sous certaines conditions de revenus. Donc là, voilà, on vous a mis du détail. Ceci dit, ça, c'est un niveau d'information que vous pourrez compléter en vous rapprochant d'un conseiller d'entreprise de la Chambre d'agriculture sans problème, quoi. L'idée, c'est que vous ayez un diapo complet, mais voilà, ça peut être un peu compliqué d'assimiler toutes les infos
en une diapo, quoi. Voilà. Donc, en gros, hein, pour aller chercher les aides à l'installation, si on veut une DJA pleine, une DJA complète, je crois qu'on vous a mis la grille, hein, mais qui nous concerne, nous, dans notre département. On va avoir l'agriculteur à titre principal qui aura une DGA complète avec des conditions de revenus à respecter que vous avez en dessous, hein. Revenu disponible agricole, RDA, et RPG, revenu professionnel global. Vous avez aussi ces définitions en amont du diapo. Voilà. L'agriculteur à titre secondaire, quand on ne peut pas remplir des conditions de revenus à hauteur de 50% des revenus issus de votre activité apicole, vous pouvez passer en agriculteur à titre secondaire, voilà, avec forcément une DGA divisée par deux. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin sur ces conditions-là parce que vous pourrez les approfondir. Je pense que c'est pas forcément l'objet d'aujourd'hui. Voilà, donc cette dotation jeune agriculteur se décompose de la manière suivante. On va déjà avoir une zone de plaine, une zone défavorisée. Donc ça, c'est une carte qui existe, hein, dans chaque département. Et vous savez si vous êtes en zone de plaine ou zone défavorisée. Ça ne s'invente pas. Les conseillers, que ce soit au point accueil installation ou un conseiller d'entreprise chambre d'agriculture, peuvent vous renseigner là-dessus sans problème. Le montant de base est à hauteur de 11 000 euros en zone de plaine et 14 000 en zone défavorisée. Et ensuite, vous allez avoir des modulations supplémentaires cumulables en fonction de votre situation. Si vous êtes hors cadre familial, donc là aussi, il y a des conditions de degré à respecter, mais là aussi, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Valeur ajoutée à emploi, qui va, en fait, cette modulation va valoriser l'activité de transformation, de vente directe, d'adhésion à un signe de qualité, etc. Voilà. Et emploi, la création d'un emploi, si vous créez l'équivalent de 0,5 ETP minimum. C'est-à-dire que si vous reprenez une structure, que vous remplacez un exploitant, vous ne créez pas d'emploi. À l'inverse, si vous créez une structure où vous venez en plus d'un apiculteur, dans le cadre d'une société par exemple, vous pouvez être amené à créer un ETP. Voilà. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller chercher cette modulation. Agroécologie, c'est essentiellement par rapport au projet en agriculture biologique. Et les investissements, c'est des modulations dont vous pouvez bénéficier en fonction du niveau d'investissement au plan d'entreprise que vous aurez indiqué. Donc, 9 000 euros de modulation pour 100 000 euros d'investissement minimum et une modulation à 13 000 euros pour des investissements de plus de 150 000 euros. Voilà. Donc, forcément, hein, cette DGA s'adresse à tout type de structure et toute taille. Hein. Donc, la modulation à investissement ne sera pas forcément demandée par tous les porteurs de projets puisqu'on n'est pas, évidemment, on n'est pas obligé de faire 100 000 euros d'investissement pour s'installer. On est bien d'accord. Diapo suivante, merci. Alors, les conditions, là, je viens de parler, toujours par rapport à la DGA, hein, donc contexte aidé, on vient de parler de conditions de revenus, donc liées au projet. Il y a les trois principales conditions liées à la personne, cette fois-ci, c'est celles qui s'affichent là, hein, c'est-à-dire des questions de nationalité, d'âge, 18 à 40 ans, hein, au-delà, vous n'êtes pas éligible à la dotation jeune agriculteur, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas éligible à d'autres aides. Hein. La capacité professionnelle agricole, c'est-à-dire qu'il faut avoir un diplôme de niveau 4, donc l'équivalent bac, hein, ou éventuellement un BPREA, formation pour adultes, hein, c'est accéléré pour obtenir ce niveau 4. Mais la capacité professionnelle, elle s'acquiert aussi, on retrouve notre PPP de tout à l'heure, qui est indispensable pour que la capacité professionnelle soit atteinte. Voilà. Donc, on va avoir un plan de professionnalisation validé cette fois-ci. Ça veut dire que vous avez fini vos stages, vos formations, et il est validé par l'administration. Là, donc, par rapport au volet concernant les aides, donc moi, j'interviens aussi pour donner des infos concernant les aides spécifiques destinées aux exploitations apicoles. Donc, il s'agit par exemple des aides du programme apicole européen, donc qu'on appelle souvent les aides France Agrimaire.
donc qui concerne donc deux types d'investissements, de dépenses. Donc il y a un volet concernant le repeuplement du cheptel qui permet d'obtenir des aides pour l'achat de d'essaims, de rennes, de cellules et puis de matériel de type ruche, ruchette, nucléi. Et puis un volet qui concerne l'aide à la transhumance, donc là qui permet de financer du matériel de préparation, d'entretien des ruchers, du matériel de transhumance comme des grues, des remorques, voilà, des investissements de ce type-là. Donc ce sont des aides annuelles, donc qui sont reconduites chaque année pour les investissements réalisés entre le 1er août d'une année et le 31 juillet de l'année suivante, donc qui sont calés sur la saison apicole. Et bien sûr, donc il y a des conditions à respecter. Donc, bon, je vous parlais tout à l'heure de la déclaration de colonie. Donc, il faut vraiment avoir fait une déclaration de colonie en bonne et due forme dans le calendrier de déclaration obligatoire, donc entre le 1er septembre et le 31 décembre. Il faut pouvoir présenter une ordonnance et une facture de médicaments, avec une autorisation mise sur le marché pour le traitement de varroa. Donc voilà, il y a un certain nombre de conditions à respecter pour accéder à ces aides. Donc voilà, je suis bien vigilante de donner toutes les informations pour que le porteur de projet puisse y avoir accès. Et donc les demandes se font en ligne pour ces aides. Un autre volet qui est important chez nous pour aider au financement des investissements donc, qui sont prévus dans le cadre du projet d'installation, c'est le PCAE. Donc, c'est un plan régional qui est piloté par la région Nouvelle-Aquitaine, donc qui existe aussi dans d'autres régions, et qui finance donc, chez nous tout ce qui est bâtiment, donc bâtiment de stockage de matériel, bâtiment pour la partie élevage, un local pour la production de gelée, et puis la partie miellerie, avec à la fois la partie bâtiment de miellerie, et puis donc, les équipements, donc, les matériels d'extraction, les chaînes d'extraction, et également les bâtiments pour la transformation et la vente. Donc, si vous avez un projet de magasin à la ferme, ça fait partie du PCA. Donc, voilà, au niveau de l'ADA, donc on, voilà, on vous apporte les éléments précis pour pouvoir solliciter ces aides et éventuellement voilà, vous accompagner pour monter le dossier PCAE. Solliciter ces financements. Voilà, donc là, on vous a mis les autres aides possibles. Alors, bien entendu, il y a des aides qui sont spécifiques à notre département. Hein. Je vois, par exemple, l'aide du département 17. Donc, on vous a quand même mis, nous, notre panel complet dans le sens où ça peut vous permettre d'aller creuser, vous, de votre côté, ce qu'il y a en fonction de votre secteur géographique. Voilà. Donc, quand on est éligible aux aides à l'installation, on va avoir des abattements fiscaux en plus de la DGA. Hein. Donc, voilà, DGA, c'est aussi ça, son atout. Hein. C'est de vous permettre des abattements fiscaux sur 5 ans, ce qui n'est pas négligeable. Des exonérations partielles de charges sociales. Donc, ça, que vous soyez JA aidé, donc j'insiste, un JA aidé au sens de DGA. Et non aidé, vous pouvez bénéficier en tant que jeune installé des abattements sociaux hein, donc, liés à la MSA. Donc, ça, n'hésitez pas à vous rapprocher de la MSA pour ce type d'informations. Le Pôle emploi également, donc ça comme tout entrepreneur, vous pouvez bénéficier de l'ARS. Dans notre département, nous bénéficions de 5 000 euros supplémentaires en plus de la DGA dans le cadre de projets d'investissement. Donc, voilà, si on a un minimum 15 000 euros d'investissement et en fonction des productions. Voilà, je ne détaille pas plus. Et en ce qui concerne nous, chez nous, région Nouvelle-Aquitaine, du coup, on va avoir des accompagnements financiers pour réaliser un diagnostic, une étude économique. Hein, donc, l'étude économique, finalement, dont on a besoin pour les aides à l'installation et une prise en charge à hauteur de 575 euros hein, pour un coût d'étude entre en fonction du statut juridique, sociétaire ou individuel, vous allez être
entre 1000 et 1700 euros hors taxes à peu près, hein, d'accompagnement. Vous avez 560, en ce qui concerne la région de Nouvelle-Aquitaine, on va avoir 575 euros de prise en charge. Suivi technico-économique, donc pendant les 4 années qui suivent l'installation d'un porteur de projet, vous pouvez solliciter un suivi technico-économique, comme le nom l'indique. C'est de faire le point un petit peu sur la santé financière et économique du projet. Voilà. Et les aides PCAE, Florence vient d'en parler, avec la spécificité apicole, donc je ne vais pas revenir dessus, sachant que PCAE, c'est un programme qui est ouvert à nombreuses productions. Voilà, le programme est disponible. Vous voyez que sur cette diapo, il y a tout un dispositif qui se met en place autour des porteurs de projets. Et c'est vrai que la question parfois, c'est est-ce que je m'installe avec les aides ou sans les aides ? Alors, c'est vrai que quand on choisit le parcours avec les aides, il y a un certain formalisme à respecter qui parfois paraît un peu lourd aux porteurs de projets en apiculture. Aller suivre les 3 jours de formation, il y a le projet d'entreprise à réaliser, il y a un certain nombre d'étapes et de points de rendez-vous incontournables. Vous voyez malgré tout que ça donne accès à un certain nombre de dispositifs qui sont intéressants dans le cadre d'une installation. Et puis, il ne faut pas s'imaginer que si on s'installe sans les aides, on peut faire très rapide et très simple et sans aucun formalisme. Enfin, ne serait-ce que pour aller chercher des financements, le banquier il va vous demander des éléments très formels et chiffrés et réalistes. Donc, voilà, la question vraiment à se poser, c'est avec les aides ou sans les aides, mais il ne faut pas avoir peur du côté un peu contraignant du parcours à l'installation aidée. Voilà, quand on est accompagné, on prend les étapes les unes après les autres et puis on y arrive sans problème. Donc, vous voyez qu'il y a des avantages financiers à s'installer avec les aides, mais pas que. Voilà. Donc, Ça oblige vraiment à structurer. Comment ? Pardon, c'est pas toujours évident hein, quand on est en visio. Je voulais juste insister, hein, mais c'est un complément, je réinvente rien. Ça vous oblige vraiment à structurer votre projet, ce qui peut apparaître comme une contrainte dans un premier temps, mais finalement, c'est quelque chose que vous devriez faire même si vous ne vous installiez sans les aides. Pardon. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment important. Voilà, donc on a presque terminé. Je vois Cécile qui réapparaît. Enfin, j'imagine pour des questions de timing. Oui. Voilà, donc on vous a juste remis les 2 diapos complètes pour que vous ayez le parcours donc, de l'installation aidée et l'installation non aidée. Et puis, donc le dernier aspect, c'est qu'après installation, donc là aussi dans le cadre du parcours aidé, donc il y a un suivi qui est prévu après l'installation, donc avec un point à mi-parcours avec le conseiller de la Chambre d'agriculture. Et puis enfin, le parcours d'installation, donc là aussi, un certain formalisme à respecter avec un document à compléter, des pièces justificatives et le versement des dernières parties de financement qui sont prévues. Et donc sur toute cette phase de suivi après installation, donc là aussi, la Chambre d'agriculture est présente, l'ADA aussi, pour vous accompagner selon vos besoins, voilà, au fil de l'eau, des questions techniques, des données économiques. Voilà, sur des aides que vous n'aviez pas sollicitées au départ et puis finalement, vous souhaitez aménager votre miellerie, donc on monte un dossier PCAE en cours de route, il n'y a pas de souci. Un point important au niveau de l'ADA, donc on attache beaucoup d'importance à la mise en réseau pour les jeunes apiculteurs, jeunes dans leur activité d'apiculteur. Donc, il y a des conditions vraiment préférentielles pour adhérer à l'ADA, pour les personnes qui s'installent. On estime qu'il est vraiment important pour les jeunes apiculteurs d'être en réseau. Quand vous êtes apiculteur, vous êtes souvent tout seul, voilà, au rucher, dans votre activité d'extraction, de conditionnement, etc. Voilà, donc au niveau de l'ADA, on cherche à organiser des temps d'échange et de rencontres au rucher, dans les formations, dans les visites d'exploitation. On vous met en contact avec des apiculteurs de votre secteur et tout ça, c'est précieux, en particulier quand vous avez des difficultés, des problèmes dans les premières années.
Et ça vous permet de ne pas vous sentir tout seul. Et quand vous avez un problème technique, de savoir que même des apiculteurs expérimentés dans votre secteur ont eu le même problème technique avec une mielée qui est catastrophique, des mortalités, des colonies qui SM, des voilà. C'est important de pouvoir se sentir soutenu et pas tout seul dans la galère, dans les situations difficiles. Voilà, et donc pour terminer, voilà, vous avez nos coordonnées. Et puis donc sur les diapos, on vous a mis les liens. Donc les diapos sont cliquables là, vous avez les liens derrière. Donc pour accéder donc, à la liste des PAI sur l'ensemble de la France. Et puis de la même façon aux informations des réseaux sur la partie installation pour les chambres d'agriculture et les ADA. Donc, on a une première question sur donc pour atteindre l'activité minimum d'assujettissement, l'évaluation du nombre d'heures, est-ce qu'il est purement déclaratif par le porteur de projet ou est-ce qu'il doit être aidé par quelqu'un pour l'évaluer? Enfin, comment est-ce que. C'est déclaratif. Okay. Effectivement, c'est déclaratif. Très bien. Voilà. Ensuite, on a une question concernant les consultants pour le PPP. Est-ce que l'ADA de la région peut être le consultant? Est-ce qu'il y a des cadres particuliers pour réaliser cet accompagnement? Alors, effectivement, il faut que la structure du salarié soit certifiée hein, pour accompagner et il faut que la personne aussi, le conseiller, soit certifiée. Donc, là, en l'occurrence, chez nous, Florence n'est pas conseillère PPP. Donc, elle peut être, elle peut être consultée en appui, hein, mais ça sera quand même les deux conseillers qui seront acteurs de la rédaction du PPP. Donc, en effet, au niveau de l'ADA, personne n'est habilité en tant que conseiller PPP. Mais on donne des informations aux porteurs de projet et de manière générale, les conseillers PPP sont très à l'écoute des besoins du porteur de projet. Donc, quand le porteur de projet propose des formations en lien avec l'apiculture, il n'y a pas de souci pour les inscrire au PPP. OK. Ensuite, on a une question sur… l'installation progressive, est-ce qu'on peut bénéficier des mêmes aides en cas d'une installation progressive ou est-ce que les aides que vous nous avez citées sont limitées dans le temps? Alors, j'espère bien comprendre la question. Effectivement, j'en ai pas parlé, j'ai parlé d'installation à titre principal, secondaire, mais il y a aussi un volet d'installation progressive. Donc, je ne sais pas si la personne a voulu faire référence vraiment à ce dispositif-là qui existe effectivement et je l'invite vivement à se rapprocher d'un conseiller pour lui expliquer en détail hein, le fonctionnement. Ceci dit, même quand vous installez à titre principal, l'atteinte d'un SMIC minimum en fin de PE, hein, le plan d'entreprise qui dure 4 ans, cette atteinte de SMIC est demandée en année 4. Donc, il peut y avoir une montée progressive en fait, hein, de l'activité. Voilà. J'espère bien répondre à la question, je ne suis pas sûr de l'avoir bien comprise. Ok. Si c'est pas bien répondu, la personne peut reposer une question. C'est pas un souci. Repose sa question, ouais, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, ça, il y a une question sur pour les JA, pardon, pour les non-JA, il y a bien des aides, vous les avez présentées. Voilà. Il y avait des questions aussi sur l'outil ProAPI. Est-ce qu'il sera disponible? Est-ce qu'il est disponible au niveau des ADA? Est-ce qu'il sera accessible au niveau national et à tous? Florence. Voilà, le projet ProAPI il est porté par l'ADA Nouvelle-Aquitaine avec des partenaires hein, dont l'ITSAP fait partie, le CFPPA de Venours. Voilà, il y a un certain nombre de partenaires qui contribuent à son élaboration. Donc,
Aujourd'hui, on est dans la phase de construction de cet outil. Donc, on dispose d'un prototype en format Excel qui est en cours de test auprès d'apiculteurs et de conseillers. Et l'objectif, c'est d'en faire une plateforme web qui sera utilisable par les porteurs de projets, tous les apiculteurs accompagnés d'un conseiller, a priori, et qui sera accessible au niveau national. Donc, on prévoit de former des conseillers pour utiliser l'outil et pouvoir le manipuler au niveau national dans l'ensemble du réseau des ADA et des chambres d'agriculture et autres partenaires. Voilà. L'ensemble des acteurs intéressés par l'outil pourront y avoir accès et il sera ouvert. Très bien. Alors, on a une question sur l'âge limite de dépôt de demande au GIA, donc de 40 ans. Est-ce que la demande, enfin cette date limite, c'est à la demande au PAI, à la Chambre d'agriculture, à quoi elle correspond cette date limite des 40 ans? Bon, je te laisse répondre, Jérôme. J'ai pas voulu rentrer trop dans les détails, mais je vois qu'il y a des questions très pertinentes. Effectivement, c'est la date de dépôt hein, qui est importante, la date de dépôt de dossier. Donc, quand on a tout finalisé, alors du coup, je rentre un peu dans les détails, hein, quand on a finalisé une étude économique, le plan d'entreprise, qu'on a réuni toutes les pièces nécessaires au dossier, il y a une liste, hein, voilà. On dépose le dossier auprès du service instructeur, la DDTM. Voilà. Donc là, il faut avoir 39 ans et quelques jours, mais pas plus. Voilà. Il faut avoir moins de 40 ans. Ok. Pour les projets atypiques, est-ce que les porteurs de projets peuvent bénéficier des mêmes aides? Donc, si une installation polyélevage avec des ruches de format plus atypique ou des choses comme ça, est-ce que les mêmes aides sont accessibles? Alors, vas-y. Alors, ce n'est pas évident de répondre comme ça. Pardon. Effectivement, il n'y a pas de raison. Hein. Les conditions, c'est d'être exploitant, il y a des conditions de revenus, etc. Donc, comme ça, j'aurais tendance à dire oui, c'est possible. Après, il faut pouvoir réunir toutes les conditions. Et j'insiste sur le fait qu'on n'a pas réuni non plus toutes les conditions d'atteindre des aides. Là, je parle de la DGA, hein. Mais les autres aides, c'est pareil. Hein. Il y a un règlement pour chaque aide, il faut réunir toutes les conditions. Donc, pour répondre à la question, ce n'est pas impossible dans le cadre d'un projet atypique, d'autant plus que pour la demande de la DGA, il est prévu une des pièces nécessaires au dossier, c'est une étude de marché, et justement, ça s'adresse aux projets atypiques. Donc, ce qui prouve bien que voilà, les projets atypiques sont les bienvenus. Ok. Une petite précision, si on va prendre peut-être encore deux questions oralement, et puis les autres, on va essayer de répondre ensuite dans le QER pour garder le timing. Ok. Concernant est-ce que vous êtes au courant de DGA qui ont dû être remboursés parce que les revenus n'étaient pas atteints ou dépassaient? Alors, effectivement, il y a comme tout règlement, hein, il y a des conditions à respecter, et quand on ne peut pas respecter ces conditions, on peut être amené à subir une déchéance d'aide en fin de parcours, donc au bout des 4 ans. Ceci dit, il y a quand même eu des évolutions en 2020 et ça s'est présenté entre autres par les conseillers d'entreprise de la Chambre hein, au moment où vous rentrez dans le parcours. Il y a une instruction technique qui régit les aides à l'installation qui précise que le revenu disponible n'est plus regardé en fin de parcours. Ça ne veut pas dire pour autant qu'au cours du parcours, les autres conditions et les conditions de revenus ne sont pas respectées. Voilà. Là, c'est un petit peu une phase de changement hein, par rapport aux aides à l'installation. Ce niveau de contrôle de revenus qui était effectivement un élément hyper important. Enfin, vous subissiez une déchéance. Aujourd'hui, c'est moins évident. Voilà. Si je dois le résumer, c'est comme ça que je le dis. Okay. Alors, une dernière question sur est-ce qu'on peut bénéficier de l'ARE peut-on avoir le statut exploitant agricole et bénéficier de l'ARE?
Alors là, je suis pas un spécialiste hein, de ça, donc je reconduis souvent vers le Conseil pour l'emploi parce que ça dépend vraiment de votre statut, ce que vous, évidemment, hein, de ce que vous avez pu, si vous aviez eu un statut de salarié avant, le nombre de droits que vous avez cumulés, etc. Donc ça forcément, c'est très lié à l'individu, mais effectivement, vous bénéficiez pendant un certain nombre de mois du versement de l'ARE. Voilà. Donc il y a des conditions que je ne maîtrise pas particulièrement, hein, voilà. Mais il y a un cumul possible effectivement sur les premiers mois de votre activité. Pour commencer, vous dire qu'on est donc tous rattachés sur des établissements publics. Je pense que ça, c'est important, mais qu'on est globalement sur budget. Autrement dit, les personnels qui composent nos centres sont payés sur le budget, c'est-à-dire sur l'argent qui rentre. Donc, on a des fonctionnements d'entreprise. Alors, pourquoi je vous le dis? Parce que de temps en temps, quand on discute avec les collègues de la profession apicole comme de la profession agricole, voilà, on est un service public, pas comme un autre. L'essentiel de nos missions, par contre, nous sont déléguées par le ministère de l'Agriculture. On y reviendra. Et puis, en fait, on a quand même une autorité en local que vous connaissez un peu, puisqu'en fait, on dépend essentiellement de la DRAF pour ce qu'on pratique. Alors, juste vous dire qu'il y a quelques années, un certain nombre d'établissements qui avaient des spécialités en apiculture se sont rassemblés dans un réseau. Donc, vous avez la petite carte là qui apparaît. Alors, je ne sais pas si on peut la grossir un petit peu, Gilles. Si tu passes, est-ce qu'on la grossit ou pas? Voilà, parfait. Donc globalement, en fait, on a aujourd'hui un réseau qui est composé de 10 établissements qui sont répartis sur le territoire national. On peut vous redonner les coordonnées après, mais en clair, on va de Laval à Arras, en passant par Vesoul, la Côte-Saint-André, les collègues de la Lozère, hier, Toulouse, et il m'en manque un, Marvejols. Donc voilà pour la répartition. Donc, tous ces CFPPA, en fait, ils ont la particularité de travailler en réseau, de présenter un diplôme particulier, je vais y venir, et globalement, en fait, on est tous sur certains de nos financements liés à France Agrimaire. Alors, en termes de diplômes proposés dans nos établissements, on va brièvement vous présenter le premier, mais je pense que vous aurez des questions plus techniques. Donc, celui que globalement, qui est connu au niveau national, c'est le brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole, dit BPREA, qui a une grande particularité, qui est celui de donner la capacité à l'installation. Donc, avec le BPREA, vous pouvez accéder à un certain nombre d'aides qui vous ont été présentées précédemment. Pour accéder à des aides et aux aides, entre autres type DJA, il vous faut un diplôme qui donne la capacité à l'installation, le brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole. En état. OK. À part le brevet professionnel agricole, vous avez des gens qui vont avoir suivi plutôt des bacs pro ou des BTS agricoles qui vont aussi donner la capacité à l'installation. L'intérêt du brevet professionnel, c'est qu'il est constitué en fait de trois parties. Une partie matière générale, que les gens qui ont déjà un niveau bac ne repasseront pas. Une partie conduite d'une entreprise agricole, globalement c'est entre 2 et 300 heures, et connaissance générale du milieu agricole, et 400 heures quand on veut derrière avoir un projet en apiculture, c'est 400 heures, entre 4 et 500 heures dédiées à l'apiculture, spécifiquement. Ensuite, on a ce qu'on appelle des titres. Donc là, on vous en a mis trois, parce qu'on en a aujourd'hui trois en France, un titre RNCP. Ce sont des diplômes qui ne sont pas détenus par le ministère de l'Agriculture, qui font plutôt entre 4 et 600 heures et avec en fait des choses particulières. Seuls certains centres le délivrent puisqu'ils sont leur propriété. Donc aujourd'hui, il y en a trois. Il y a un titre apiculteur, un producteur de rennes et d'essaims, et puis un CPREA. Voilà. Les autres diplômes dont il faut qu'on vous ayez connaissance aujourd'hui, ce sont pour moi les BTS AXE. Donc pourquoi BTS AXE? Parce qu'aujourd'hui, le niveau BTS est dans sa version là, c'est conduite d'une entreprise agricole. On peut tout à fait envisager que des jeunes fassent un BTS AXE
avec des stages dans vos entreprises, pour ceux qui sont installés, ou que vous voyez arriver des jeunes qui veulent s'installer après un BTS AXE. Dernier diplôme qui a été créé il y a 3 ans, c'est un certificat de spécialisation apicole. Normalement, ce diplôme, il fait forcément suite à un diplôme agricole. Comme son nom l'indique, en fait, il va spécialiser des gens en apiculture. Donc là, vous avez un panel de ce que vous pouvez rencontrer dans les centres. On est bien sur de la formation à destination de professionnels. Je ne l'ai pas précisé avant, mais globalement, les CFPPA, ils ont vocation à former des professionnels ou à former des professionnels au cours de leur vie. Mais on n'est vraiment pas sur des formations d'apiculteurs amateurs. Il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est-à-dire quand vous arrivez ou quand quelqu'un arrive chez nous, s'il veut 4 ruches au fond du jardin, on les renvoie plutôt vers des structures amateurs. Alors, chez moi, en Isère, c'est l'abeille dauphinoise qui fonctionne très bien. Mais là, tout ce qui est CFPPA va être à destination de professionnels. Je veux bien que tu passes à la suite. Donc, ça, c'était les grands diplômes ou grands champs de diplômes. Si tu cliques. Alors, les publics accueillis. Donc, qu'on soit clair avec vous, aujourd'hui, le public qu'on va accueillir en CFPPA, ce sont, alors, souvent des gens qui s'interrogent sur un devenir agricole, et pour le coup, pour mon département en tout cas, enfin, ou ma région, parce qu'on accueille sur la région, comme ailleurs, des gens qui souvent sont passés par le point accueil-installation qui vous a été présenté avant. Donc, c'est des gens qui, à un moment, cherchent à se reconvertir, et pour le coup, on les oriente globalement vers une formation un peu longue. Donc, c'est pour ça qu'ils viennent en CFPPA. Donc, on a des salariés en reconversion. Alors, pour certains d'entre vous, vous connaissiez ou vous avez peut-être bénéficié d'un dispositif qui s'appelait un CIF, un congé individuel de formation. Ce dispositif, il a été abrogé il y a 2 ans. Maintenant, ça s'appelle un PTP, un projet de transition professionnelle. Il concerne aujourd'hui tout salarié qui souhaite se reconvertir, qu'il ait été en CDD ou en CDI. On accueille des demandeurs d'emploi. On reviendra un peu plus loin dans la présentation sur le type de financement dont ils peuvent bénéficier. Et puis, on accueille aujourd'hui des apprentis et des étudiants. Alors, c'est pas le public habituel, mais pour le coup, comme on est sur une présentation de ce qui se fait et de ce qui va se faire, dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, aujourd'hui, l'apprentissage est ouvert jusqu'à 30 ans. Donc, je pense que vous aurez dans vos exploitations, ou même je pense que l'ADA aura demain, des jeunes qui vont venir vous voir pour faire soit un BTS, soit un certificat de spécialisation, soit un BPROA, qui ont parfois eu 2 ou 3 ans, par exemple, de parcours à l'université, et puis qui veulent se reconvertir avant même d'avoir commencé une vie professionnelle. Donc aujourd'hui, on va avoir un panel de statuts sur les formations qu'on propose beaucoup plus vaste que, en clair, les seuls salariés en reconversion auxquels vous étiez habitués. Et peut-être dont vous êtes pour le public qu'on accueille là ce matin. On peut passer à la suite. Donc un petit focus sur nos partenaires. On a parlé des PAI, mais il faut que vous sachiez qu'en fait, le CFPPA, une de ses missions, c'est de faire de l'animation. Ce n'est pas que de faire de la formation. Ce qui fait que globalement, moi, je considère qu'un des travaux du CFPPA, c'est d'être le croisement, enfin, une de nos missions, c'est d'être le croisement entre, bon, ADA France, par exemple, hein, qui nous a invités aujourd'hui. Notre ADA au niveau régional, je sais que l'ADA région est présentée. J'essaye de suivre les instances de l'ADA et puis, par exemple, les techniciens ADA, ils interviennent aussi dans nos formations. Alors, on travaille de façon un petit peu plus lointaine avec l'ITSAP aujourd'hui, mais on a conduit parfois des expérimentations. On fonctionne aussi avec Interapi autant que faire se peut. Et globalement, à l'échelon local et régional, les CFPPA, ils sont en fort lien avec les chambres d'agriculture. À 2 niveaux, en fait, ce que je vous disais, les PAI nous envoient les candidats aujourd'hui qui ont des souhaits de formation et qui veulent s'installer en apiculture derrière. Et puis nous, à l'issue des formations type BPROA, eh ben on renvoie nos candidats vers les chambres.
Alors, on pourra en discuter de ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas, mais c'est Gilles, quand on a préparé cette intervention, qui disait, il faut être clair, une formation même de 10 mois, type BPROA, elle donne le permis, mais elle donne un permis probatoire. C'est-à-dire que de toute façon, nous, un des conseils qu'on donne privilégiés à nos stagiaires sortants, c'est bien de leur dire qu'on leur préconise de passer par une phase de salariat avant de s'engager dans un parcours à l'installation. Ce qui veut dire que le discours tenu pour nous, c'est qu'entre l'entrée en PAI et l'installation véritable, il va probablement s'écouler entre 2 et 4 ans, voire 2 et 5 ans. Voilà. Pour que les choses soient dites, c'est-à-dire que quand ils sortent d'une année chez nous où ils vont avoir fait 8 semaines de stage, puisque c'est 8 semaines réglementaires pour présenter le BPROA, il est clair pour nous qu'ils n'auront pas l'expérience d'un apiculteur qui a fait 10, 15, 20 saisons. Je ne sais pas, Gilles, tu n'as rien à rajouter ? Pour l'instant, je te laissais parler, hein, c'était parfait, et puis après, on verra en fonction des questions. Des questions. Voilà. Ouais. Alors, juste un point à mon sens crucial et qui nous vaut souvent des incompréhensions avec nos partenaires dont vous faites partie, c'est qu'on s'entende sur la question des financements. Donc, comme je vous le disais en préambule, aujourd'hui, le CFPPA, il doit payer les personnels qui l'occupent sur budget. Et donc, l'argent est le nerf de la guerre pour vous comme pour nous. Ce qui veut dire qu'à un moment, il faut qu'on s'entende sur les gens qui nous financent et du coup, les obligations et les enjeux qu'on a par rapport à eux. Notre enjeu général, c'est bien entendu de former de futurs professionnels et d'accompagner des gens qui vont vouloir s'installer en apiculture. En agriculture, plus largement, pour la grande partie des CFPPA, je pense qu'on n'en a aucun qui pratique que du BPROA apicole. On a souvent les deux, en fait, deux sections, en gros. Une section apicole et puis une section plus classique, agricole. Les gens qui nous financent aujourd'hui, ce sont les branches professionnelles pour les salariés en reconversion au travers du projet là, du PTP, ce qui fait que ça passe en commission et que c'est les branches professionnelles qui vont décider si les projets sont retenus ou pas. Quand un projet est retenu, le salarié est assuré d'avoir son salaire sur la durée de la formation et ses heures de formation sont payées du coup directement par ce qu'on appelle transition pro. D'accord ? Cas numéro 1. Cas numéro 2, on va s'adresser à des demandeurs d'emploi. Quand on s'adresse aux demandeurs d'emploi, ils ont, eux, un financement qui est assuré par Pôle emploi pour la durée de leur formation et nous, nos financements vont être assurés par les régions ou le Pôle emploi, souvent avec des cofinancements européens. Dans ce cadre-là, on a répondu à des marchés publics et ça veut dire qu'en partie, les contraintes qui vont nous être posées, au-delà du diplôme, les contraintes vont être portées par le financeur. Type de contraintes, pour exemple, accueillir des gens très éloignés de l'emploi, accueillir à parité des hommes et des femmes. Et donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on est sur une double injonction, nous, par rapport à vous et même à nos formateurs, de dire il nous faut des gens dont le projet est très clair au niveau de sa construction et de sa maturation, et dont on pense qu'effectivement, derrière, ils vont aller vers une installation, et une commande publique qui nous est faite de dire, on va vous demander d'accueillir des demandeurs d'emploi, donc il faut que vous accueilliez des demandeurs d'emploi, il faut que vous accueilliez des demandeurs d'emploi, pardon, j'avais quelqu'un qui frappait à ma porte, il faut que vous accueilliez des demandeurs d'emploi, parfois très éloignés de l'emploi, mais que nous, on veut réinsérer en tant que financeur public. Alors, par expérience quand même, le BPROA est à mon sens bien noté comme une formation un peu à part et qui jouit d'un statut particulier. Mais il n'empêche qu'il faut que vous ayez en tête que nous, quand ce sont des demandeurs d'emploi, on n'a pas complètement la main sur le public qu'on accueille, ou du moins ça préside d'une discussion avec les gens qui nous financent. Pour ce qui est de l'apprentissage dont je vous ai brièvement parlé, pour le coup, c'est très clair, aujourd'hui, si le jeune, enfin ou moins jeune, puisque jusqu'à 30 ans, on va considérer que c'est un peu moins des jeunes, a un contrat, le financement est assuré. Donc, pour le coup, sur le public apprenti, c'est bien si un jeune arrive à convaincre un professionnel de l'accompagner dans son projet et de lui faire un contrat, eh ben, le CFPPA est assuré d'être financé derrière. Donc, il y a éventuellement moins de problèmes pour les apprentis.
première question, c'est quelqu'un qui avait déjà posé sa question tout à l'heure et donc qui la repose là. Est-ce que les CFPPA proposent le BPREA en VAE pour des personnes qui ont déjà l'expérience? Oui, donc pour le coup, sur le dispositif VAE, vous dire que là, il faut se rapprocher du centre de proximité, qu'il soit apicole ou pas apicole. CFPPA de proximité, le plus proche qui a quelqu'un qui va accompagner la construction du dossier. Donc, ça va se passer de la façon suivante. Approchez-vous du centre de proximité. C'est la DRAF qui est en fait autorité académique sur le BPREA qui va vérifier l'éligibilité du candidat. Je ne sais pas, Gilles, si tu as en tête précisément. Oui, oui. En fait, dans ma région, pour tout ce qui est apiculture, donc vis-à-vis de la DRAF, je suis le référent pour avoir l'acceptabilité du livret 1. C'est-à-dire que la DRAF regarde si le candidat est bien dans les clous de pouvoir passer une VAE et quel type de VAE avec quel type de diplôme. Voilà. Une des difficultés. Tu peux préciser les conditions ? Oui, une des difficultés qu'on rencontre sur les dossiers VAE en apiculture, c'est bien souvent que les personnes qui veulent faire une VAE en apiculture, ils n'ont pas conscience en fait que leur précédent emploi, souvent, était un emploi de salarié, ouvrier, manutentionnaire. Mais en tout cas, ça est rarement le cas que cette personne-là ait eu un emploi de chef d'exploitation. Et en revanche, quand on veut faire une VAE sur un diplôme de BPEA, il faut que la personne elle puisse démontrer qu'elle a été dans son précédent emploi responsable d'exploitation. Et ce qui est rarement le cas. C'est du coup la partie chef d'entreprise en clair. Quand je vous ai présenté le BPREA, je vous ai dit qu'il y a une partie chef d'entreprise et une partie technique. Alors aujourd'hui, les dispositifs qui sont en expérimentation, c'est ce qu'on appelle de la VAE mixte ou partielle. C'est-à-dire qu'en fonction de l'expérience, une partie du diplôme va être validée sur l'expérience et on va proposer soit un complément de formation, soit de refaire une nouvelle expérience en tant que chef d'entreprise. D'accord. Bah, du coup, je pense que ça complète une autre question d'une personne qui parle de son fils qui a un bac STI 2D et un niveau BTS-TP. Son mari apiculteur qui forme donc ce jeune depuis 2 ans en vue de son installation. Peut-il faire une formation courte en CFPPA en vue d'obtenir la capacité d'école pour la DJA? Alors, la notion de courte et de longue, elle est perturbante aujourd'hui et elle n'a pas de sens. La question, c'est que globalement, il va falloir valider un diplôme, d'accord? Parce que c'est ça la demande. C'est-à-dire, puis moi, je pense qu'à un moment, c'est important aussi, la validation du diplôme en tant que tel, elle valorise, et par rapport à des parcours d'installation dont on peut discuter, si vous voulez, ça assoit le futur chef d'exploitation dans ses compétences. Alors là, vous parlez, moi, je suis directrice d'un centre de formation. Si je pensais que la formation servait à rien, je ne serais pas là et je n'occuperais pas ce poste-là. Gilles vous fera la même réponse en tant que formateur. Du coup, l'idée, c'est aller voir le centre le plus près de chez vous et voir ce qu'on va pouvoir proposer. Ça peut typiquement, si c'est quelqu'un qui a déjà un BTS, ça peut être un BPREA. Nous, aujourd'hui, on a une jeune qui est rentrée sur un BPREA qui va faire un BPREA 18 mois. Donc, la dame qui a parlé de courte, elle va trouver ça très long. Par contre, dans ces 18 mois, plus de la moitié du temps est passé en entreprise. Donc, ça ne fait pas tellement d'heures de formation puisqu'on va être du coup sur une alternance intéressante où en fait, la jeune, elle va avoir l'opportunité de voir 2 saisons. En clair, elle est rentrée en décembre 2020 et elle va sortir en juin 2022. Donc, ça va durer effectivement 1 an et demi, mais au final, elle aura beaucoup vu de l'entreprise. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la notion de court ou de long ou d'alternance, on va beaucoup proposer de cas par cas, en fait, dans nos centres aujourd'hui. Donc, il y a rarement une réponse unique. Enfin, il y a des réponses assez simples, mais on va plutôt avoir de la réponse individualisée. Je ne sais pas si Gilles veut préciser ou compléter. Bon, mais là aussi, hein, tu as été clair, Fanny. Hein. Mais souvent, en fait, on a vraiment des parcours qui, aujourd'hui, sont de plus en plus multimodales. Hein. Donc, un stagiaire arrive avec avec des diplômes. Donc là, on a une validation des acquis académiques. Ensuite, il peut faire dans un autre centre, il peut faire passer des modules en FOAD, il peut passer des modules en présentiel. FOAD, ça veut dire à distance. Oui, à distance, hein, pardon,
j'ai vu qu'Axel a fait la remarque, mais voilà, à distance. Donc, en fait, aujourd'hui, rares sont les stagiaires qui viennent. Alors, on en a toujours un peu, hein, qui viennent du début jusqu'à la fin, tout passer ici. Mais aujourd'hui, les parcours sont de plus en plus individualisés. De plus en plus, on a des parcours, des stagiaires qui rentrent au fil de l'eau tout au long de l'année, et que même s'ils rentrent eh ben, au mois de juin, ben, ils feront jusque l'année prochaine, au mois de mai, de m'avoir, de manière à avoir tout le diplôme et l'ensemble de la saisonnalité apicole, quoi. D'accord, merci. Il y a pas mal de questions, donc je vais vous demander d'essayer de faire des réponses. Pardon. On va répondre à plus. Merci. On a une question, par exemple, d'Olivier qui nous demande si le BPREA peut être suivi entièrement à distance. Alors là, je vais vous faire une réponse. Oui, des centres le proposent. En pratique, c'est apprendre un métier. Et donc, pour le coup, même si on est capable sur le papier de le proposer entièrement à distance, nous, globalement, on préconise toujours, alors, du présentiel pour deux raisons. Bien être sûr que les gestes pratiques vont être acquis. Je pense que Gilles pourra donner des exemples. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'on vous voit en action. Et la deuxième chose, quand même, un des enjeux quand vous vous reformez sur un métier, c'est aussi de vous faire un réseau. Et pour se faire le réseau, pour rencontrer les professionnels, nous aujourd'hui, ben, c'est ce que je disais, les techniciens d'ADA, de l'ADA Auvergne-Rhône-Alpes, ils viennent dans nos murs régulièrement. Voilà. On a la chambre d'agriculture qui vient se présenter pour que du coup, ils aient les interlocuteurs, les gens que vous avez vus avant, c'est-à-dire les conseillers d'entreprise, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la formation, c'est des apprentissages théoriques, une mise en pratique et aussi, en fait, une connaissance d'une filière et d'un réseau. Donc, moi, là, c'est Fanny Poirier qui parle et ça n'engage que moi. Quand j'ai quelqu'un qui me demande tout en distanciel, j'essaye de le convaincre de faire du présentiel et s'il veut tout en distanciel, je le renvoie vers des collègues qui croient beaucoup plus que nous. Je ne sais pas. D'accord. Si Gilles, tu veux compléter ? Oui, rapide, s'il vous plaît, rapide. 30 secondes, hein, je complète. Bien sûr, les centres, nous, on ne fait pas de FOAD, on ne fait pas de formation en distance, hein, sauf que vous avez vu, là, suivant les événements sanitaires, on a passé à distance. Mais par exemple, un centre comme Vesoul qui faisait à distance, il y avait quand même des temps de regroupement impératifs. Et je crois que notre brillant président de l'ITSAP a dû avoir ce parcours-là lorsqu'il était étudiant à Vesoul. Alors, merci. Il y avait une question qui avait été posée aussi tout à l'heure sur le coût d'une formation en BPREA. C'est pas cher. Donc, le coût de l'enseignement, enfin, voilà, les frais pédagogiques, mais voilà, les coûts d'hébergement, voilà, si on prend globalement, est-ce que vous avez une idée de... Non, mais bien sûr qu'on a une idée, mais probablement que le coût de l'hébergement ailleurs, même s'il est de 240 euros par mois, c'est peut-être pas le même coût à Arras ou à Vesoul. Pour autant, nous aussi, on a 14 places financées par la région. On a des BPROA entre 14 et 25 personnes chaque année. Mais globalement, on a une vingtaine de places à l'internat. Voilà. Si vous voulez, les coûts périphériques aujourd'hui, c'est globalement pas le frein. Pour moi, en fait, notre principal enjeu, c'est de trouver le financement de la formation en tant que telle, nos coûts de formation. Pour être clair avec vous, on va être sur des tarifs, les uns et les autres, entre 10 et 15 euros de l'heure. Alors, modulo du distanciel, pas de distanciel, mais de toute façon, à un moment, il y a l'humain pour accompagner les gens. Donc après, ça dépend du nombre d'heures, en fait, de chaque parcours. Voilà. Ouais. OK. Alors, une question. Je voudrais juste préciser, les moins chers, alors il y en a qui iront peut-être sur l'application EDOF et le CPF. Les gens qui vous proposent des BPROA à 2000 euros, vous en aurez pour 2000 euros. Enfin, c'est-à-dire que, voilà, il y a un moment où vous achetez au moins cher, c'est comme une voiture, quoi. Voilà. Aujourd'hui, les gens que vous avez sérieux, ils proposent pas des BPROA à 2000 euros. D'accord. Alors, une question sur, y a-t-il une notion d'objectif en termes de nombre d'installations ? Je pense sous-entendu après la formation. Et y a-t-il des chiffres de cette réalisation ? Alors, des objectifs, plus on en a et mieux c'est. Des chiffres, on en a. Je pense que Gilles, on en a parlé quand on a préparé. Nous, aujourd'hui, à 5 ans, on est sur 70% des personnes qui sont
Alors, ou installé ou salarié. Sachant qu'en apiculture, on a plus d'installés que de salariés. On a un temps été payé par nos financeurs publics sur des critères de qualité. L'installation en faisait partie. Alors, région Auvergne-Rhône-Alpes. Gilles, je ne sais pas si tu veux témoigner pour toi, du coup. Alors, oui, hein, nous, on a des éléments assez précis, hein, dans le sens qu'on a 75% des installations à 10 ans. Mais vous comprenez bien qu'il faut bien prendre ce chiffre à 10 ans, parce que quand on a des stagiaires à 20 ans, qui arrivent ici, qui ont 20 ans, ils ne s'installent pas ni à 20 ans, ni à 25 ans, ils s'installent plutôt à 30 ans. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre un panel assez large. Et à 75%, à 10 ans, on a des exploitations qui sont pérennes et qui se stabilisent. Et nous, on n'est pas payé à la réussite soit de l'installation, soit du diplôme. Donc, on n'a pas de chiffres imposés par la région quant à sortir tel ou tel stagiaire. D'accord, merci. Alors, toujours en termes de… On entend bien, hein, la question de la tutelle, du financement. Une question sur le nombre de places qui sont proposées dans vos établissements. Donc, la question porte sur la Côte-Saint-André, mais je pense qu'on peut répondre aussi pour hier, par exemple. Ça pourrait intéresser. Par exemple, pour hier… Et qui fixe cette limite? Voilà. Par exemple, pour hier, là, c'est aujourd'hui un engagement ad vitam aeternam de la région qui est inscrit dans ses tablettes, dans le marbre, le fait qu'il y aura toujours au minimum 14 places région financées en BPROA par an. Et aujourd'hui, là, maintenant, depuis hier, on me demande de rouvrir un deuxième BPROA au niveau pendant l'année, de manière à accueillir tous les stagiaires qui seraient demandeurs, puisqu'on a beaucoup de dossiers. Mais nous, à minima, on sait que toutes les années, dans le marché, c'est prévu qu'on aura à minima 14 places. Et est-ce qu'il y a des places de région, entre guillemets, en plus, ou c'est des places différentes ou Ben là, en l'occurrence, notre région s'aperçoit qu'à la fin de l'année, nous, on a des résultats qui sont très positifs et qu'on avait des demandeurs. Il leur reste de l'argent. Donc, avant le 31 juillet, il faut ouvrir un autre BPROA. Je vais donc changer de région. Nous, rien n'est dans le marbre. Alors après, honnêtement, globalement, quand même, la question du renouvellement des générations, parce que c'est là-dessus qu'on est quand on parle de BPROA, hein, quand même, c'est une question quand même d'importance en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, des places, il y en a, il y en aura demain. Après, nous, on oscille pour les demandeurs d'emploi entre 10 et 15. Pour les autres financements dont on parlait, les reconversions, ben là, c'est un peu la loterie, c'est-à-dire qu'on peut avoir 10 dossiers posés et puis 5 d'acceptés ou 10. Pour le coup, moi, j'aurais tendance à dire qu'en termes de qualité de service rendu aux usagers, au-delà de 25, on a du mal à faire. C'est-à-dire que si on veut continuer à avoir des personnels en phase qualifiés pour former et bien former, parce qu'un des enjeux, c'est quand même de fournir une formation de qualité. Aujourd'hui, nous, on a 25 personnes qui rentrent par an, enfin, entre 20 et 25 personnes par an. Même si on a plus de demandes, aujourd'hui, on n'a pas franchi le pas d'aller au-delà, parce que je ne suis pas sûre qu'on saura si bien faire. Juste pour continuer 30 secondes sur ça, c'est… ce travail-là qui a été mené de validation des 14 places région, en fait, hein, c'est une coordination de tous les intervenants de la profession, hein, autant les ADA, autant les professionnels, qui sont allés voir la région et M. Renaud Muselier, qui est notre président, en lui disant que c'était impératif. Et comme il voulait faire quelque chose pour l'apiculture, donc il a validé ça dans le marbre. Voilà. J'ai vu passer dans le chat une demande de questions sur tout centre confondu. Pour le coup, je pense qu'il faut s'adresser à nos collègues directement si vous voulez leur stade d'installation. Je peux juste vous dire que comme tous les organismes de formation continue aujourd'hui, on est soumis à un décret qualité qui nous impose d'être certifié. Dans le cadre de ces certifications, on a l'obligation de transparence sur le nombre de candidats qui passent chez nous, les taux de réussite, etc. Donc, c'est aussi pour ça que moi, je vous disais qu'à 2000 euros, posez-vous la question si quelqu'un vous propose 2000 et sinon, on vous dit que c'est plutôt 9000 chez nous. Faut aller voir aussi derrière les stats depuis combien de temps on fonctionne, la stabilité de nos équipes et nos partenariats, quoi. Et juste une précision, les centres, les CFPPA, hein, qui enseignent, sont des centres institutionnels, et donc derrière on a toujours un agrément DRAF autant sur le diplôme que sur l'organisme de formation, ce qui fait que nous on délivrera toujours des diplômes, ce qui n'a pas toujours été le cas d'organismes fantômes ou passagers qui font de la formation et qui, au final, le stagiaire
se retournent après soit vers la DRAF, soit vers nous en disant bah, j'ai été dans ce centre-là, mais au final, je n'ai pas de diplôme. Merci, merci. Donc, tout à l'heure, Fanny, tu nous as parlé de contraintes de Pôle emploi pour le BPREA. Est-ce que pour le titre, il y a également des exigences par de financeurs? Alors, en fait, pour le coup, d'une façon générale, sur tout ce qui va être acheté par un même financeur, c'est-à-dire que ce soit Pôle emploi, financeur public, Pôle emploi, région, par exemple, il va fixer ses contraintes. Donc, nous, sur le titre, pour les demandeurs d'emploi, on a le même type d'exigence. Après, ce qu'il faut comprendre, et c'est un peu ce que disait Gilles par rapport à la région, les formations pour l'installation en agriculture, c'est quand même un monde à part par rapport aux régions qui nous financent et même à Pôle emploi. Ce qui fait que même s'il y a un cadre de marché public, nous, on fait toujours jouer lors des… On a toujours une réunion de régulation où on arrive, nous, avec les candidats qu'on a reçus, qui sont demandeurs d'emploi. Et puis, on va dire aux gens, bon, écoutez, voilà, nous, celui-ci, il a déjà fait un stage en exploitation apicole. Il a été voir le PAI. Ça fait 6 mois qu'il est sur son projet. C'est quelqu'un de sérieux. Et donc, on a toujours une phase de négociation, en fait. Nous, on négocie les gens qui rentrent chez nous avec le financeur. Donc, il y a un cadre dans lequel on arrive aujourd'hui à travailler. Enfin, moi, pour ma région, pour le coup, j'en témoigne. C'est-à-dire qu'on… Voilà, il y a des choses écrites, mais on fait toujours valoir les bons candidats avec des projets sérieux. Par contre, c'est sûr que le demandeur d'emploi qui vient, qui a vu de la lumière, pour le coup, on est prêt, nous, à ne pas rentrer et à gagner moins d'argent que de rentrer un candidat qui a… Non, mais on va être clair. Un candidat qui n'ira pas s'installer derrière, qui va avoir du mal à trouver un stage. Enfin, voilà, on forme pour des… C'est également le cas pour nous en PACA. Entendu. Merci. Alors, une question… Pourquoi, selon vous, ne forme-t-on pas d'apiculteurs en formation initiale? Est-ce que c'est un problème de profil et d'intérêt des jeunes? Pardon? C'est tout simplement de la DGER. Alors, ouais, moi, je vais faire une réponse moins tranchée que Gilles. Pourquoi est-ce que… Alors, l'apprentissage, c'est de l'initiale. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, avec la réforme qui a eu lieu en 2018, c'est pour ça que moi, j'ai un peu parlé d'apprentissage. Parce que je pense qu'il y a quand même une vraie possibilité demain pour des jeunes qui veulent se former sur des niveaux BTS, entre autres. Alors, sur le papier, le bac pro permettrait. Aujourd'hui, le bac pro, en fait, il dit il faut des systèmes de production. D'accord? Donc, sur le papier, aujourd'hui, le bac pro, il pourrait… Moi, je fais du bac pro en apprentissage sur des filières plus classiques. Sur le papier, je pourrais le faire. Un de nos soucis en pratique, quand même, c'est la grande saisonnalité des activités apicoles. Quand même, il faut se le dire. C'est-à-dire que c'est très contraint en termes de délai. Et on a des souplesses aujourd'hui quand on forme des adultes à décaler une semaine de stage parce que nous, entre le haut de la région, c'est-à-dire les Hauts-Savoyards et la Drôme, il faut comprendre qu'on a parfois 15 jours d'écart. Donc, on en a des premiers qui descendent en stage pendant qu'on a les autres en cours. Enfin, voilà. On n'a pas cette facilité-là quand on fait de l'initial scolaire. On est sur un mixte sur de l'apprentissage. Aujourd'hui, ce que dit la DGER, c'est que pour avoir un diplôme, il faut qu'il ait au moins un flux de 300 personnes par an. OK. Aujourd'hui, on n'a pas ce flux-là en initial. Et puis, je pense que des centres qui ont les moyens, alors les moyens, pas financiers, mais les moyens d'avoir des formateurs comme Gilles dans leur mur et un réseau, ils ne sont pas si nombreux que ça. Et que globalement, si vous voulez, le formateur en apiculture qui va assurer 2, 3, 400 heures dans nos centres, eh ben, ils ne sont pas faciles à trouver, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut un niveau de technicité dans les centres qui n'est pas simple. Une des réponses de la DGER il y a 5 ans, quand on avait initié ce profil-là, en passant par la voie initiale, on voulait s'appuyer sur un bac pro CGEA avec option apicole. Hein. La DGER nous répond aussi, hein, c'est que si on ouvre de l'apiculture quelque chose, on est en flux constant, donc il va falloir fermer autre chose. Et ça, ils n'étaient pas prêts à le faire pour ouvrir des classes en apiculture. Ils n'étaient pas prêts à fermer d'autres classes sur des filières qui, aujourd'hui, seraient moins ronflantes que les besoins en apiculture. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on ne nous a pas, alors qu'on avait déposé un projet de bac pro en CGEA en apiculture, c'est la raison pour laquelle on a été retoqué et que ça n'a pas marché. D'accord, merci. Alors, une question sur le CPREA apithérapie. Est-ce que vous savez dans quel établissement il est proposé? Il est
à Venours. Mais je ne suis pas sûre que l'apithérapie, c'est un CPROA. C'est pas ça. En fait, il y a l'amalgame des deux. Il y a un CPROA à Venours et il y a un titre RNCP à Hyères. Apithérapie. Très bien. Merci. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on développe d'un côté ou de l'autre, mais voilà. Ben, je ne sais pas. C'était la question qui demandait dans quel établissement cette formation était proposée. Je pense que là, l'intérêt, c'est au niveau de l'apithérapie. Donc, ça sera Hyères. Donc, c'est Hyères. Hein. C'est une formation. Donc, c'est une formation innovante. C'est une formation qui est... Il y a deux formations de 12 places région qui ont été payées par la région, là. Et à l'issue de ça, on aura normalement, à l'issue des deux premières sessions, la validation du titre RNCP. Et à partir de là, la région PACA pourra le mettre de manière pérenne dans sa carte de formation. Donc, c'est une formation qui est sur 420 heures, 350 heures en centre et 70 heures en entreprise. Merci. Est-ce que toujours ça, c'est quelqu'un de Haute-Savoie, donc c'est des questions pour Fanny surtout. Tu as parlé de 10-15 places pour les demandeurs d'emploi en BPREA. Est-ce que il y a aussi un nombre de places pour le titre à la Côte-Saint-André? Alors, on a 10 places en cours sur le titre. Après, nous, l'orientation entre BPREA titre et donc nous, on pratique aussi du CS apicole. Il va se faire, en fait, s'il y a des candidats intéressés, il faut se rapprocher de nous. Et en fait, si vous voulez, la coordinatrice, elle va préconiser la formation qui nous paraît le plus adaptée aux candidats. Donc oui, il y a des places. Moi, j'ai toujours coutume de dire que quand on a un bon candidat, on arrive toujours à se débrouiller. Voilà. OK, merci. Elodie, je pense qu'on peut faire encore une ou deux questions et puis on passera à la présentation suivante. Oui, alors moi j'avais une petite question. Est-ce que donc vous avez parlé d'apprentissage, est-ce qu'on peut faire l'apprentissage sur l'exploitation familiale? Rien ne l'interdit puisque ça se pratique. En fait, le principe de l'apprentissage, c'est un contrat de travail signé entre un salarié et une entreprise qui mandate un centre de formation pour former son salarié. D'accord ? Donc, rien ne l'interdit. Moi, je n'ai pas d'avis. Dans la mesure où c'est dans la loi, je n'ai pas d'avis. Et ça se passe parfois très bien. Ça permet un peu une installation progressive. Moi, je ne le conseille pas sur les jeunes, en fait. C'est ça, mon idée. C'est de dire que je pense que ça se passe très bien. Là, on l'a aujourd'hui sur des gens qui, derrière, vont sur une installation. Donc, ça permet aussi de se dire, est-ce qu'on arrive à travailler ensemble, etc. Après, nous, on n'a pas le loisir de refuser. Donc, on va être dans le conseil. D'accord. Une petite question, peut-être qui sera la dernière. Que pensez-vous de l'école des hautes études en apiculture ou de la bi-académie? On passe sous un tunnel. Non, mais on en revient à ce qu'on vous a dit dès le départ, quoi. Il y a aujourd'hui... Aujourd'hui, pour la petite histoire, là, ce qui s'est fait, c'est l'école des hautes études, enfin les choses de M. Montebourg, en fait, ça s'est terminé quand même pour la petite histoire. Pour qu'il décroche un diplôme, c'est nos collègues de Vesoul qui sont allés faire passer les examens. Voilà, parce qu'ils avaient un peu oublié qu'on peut se décréter faire de la formation, mais qu'à un moment, pour valider un diplôme, il y a des règles à respecter. Voilà, donc c'est les collègues de Vesoul qui portent l'habilitation, en fait, et donc portent la certification. Après, moi, deux choses. Enfin, on passe dans un tunnel. Non, je pense qu'il y a un vrai déficit aujourd'hui d'installation en apiculture. Donc, toutes les initiatives sont bonnes. Les plus clinquantes et les meilleurs communicants ne sont probablement pas ceux qui font le meilleur travail de terrain. Voilà. Ouais, pour notre part aussi, on a été contactés par des stagiaires. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, hein, par des stagiaires qui se retrouvaient à avoir fait une école dans un centre, dans un pseudo, je dis bien pseudo centre de formation, et qu'au final se retournaient vers nous pour essayer de trouver une solution pour qu'ils puissent avoir un diplôme, quoi. Voilà. D'accord. Et du coup, peut-être pour conclure, donc on a eu un retour de la personne qui posait la question de la possibilité de faire un BPREA entièrement en distanciel.
et qui dit que voilà, dans son cas, avec 3 années d'apiculture derrière elle, qui améliore les, voilà, les possibilités de formation en distanciel, 2 enfants, donc pas envie de partir chez soi à 18 mois. Oui, mais... En fait, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est venez nous voir, on aura plein de solutions pour vous diplômer. C'est-à-dire que notre boulot à nous, ce n'est pas de vous asseoir sur les bancs de l'école si vous n'avez pas envie d'y être et si vous n'en avez pas besoin. Voilà. On vous trouvera des solutions. Aujourd'hui, la loi nous oblige, enfin oblige pour le coup ces établissements publics, et on en fait partie, à porter la réponse la plus efficace pour vous. Voilà. La plus efficace, ce n'est pas de vous rasseoir sur les bancs. Par contre, c'est de vous trouver un diplôme, de créer du lien pour que vous ayez des liens avec des partenaires et vous créer un réseau. Voilà. On vous remercie. On est disponible, voilà, s'il y a des questions, mais vous nous trouverez sur Internet. Voilà. En cherchant un peu. Merci à tous. Bonjour, Jean-Pierre Basté, fils d'apiculteur. J'ai commencé l'apiculture en 1976 avec mon père en Gaec. Bon, on est monté jusqu'à 900 ruches, puis après, vite fait, on s'est stabilisé. On avait à peu près 12 ruchers de 64 ruches. Et bon, on faisait de l'apiculture transhumance, acacia, montagne, lavande, châtaignier, et on redescendait tout sur les ruches sur Montpellier pour passer l'hiver. Vers les années 94, l'exploitation est passée en bio. Bon, j'étais plus que tout seul en ERL avec un saisonnier. Et en 2010, bon, j'ai eu un peu des problèmes de santé. On a descendu le nombre de ruches. Puis bon, il y avait moins d'investissement. On est passé à 500 ruches. Et puis, en quelle année que... 2014. En 2014, bon, j'avais à peu près 400 ruches. Ouais. Et Daniel a fait une saison en 2014. On s'est très bien entendu. Puis bon, moi, après, j'avais un neveu qui devait reprendre l'exploitation. Puis bon, ça ne s'est pas fait. Et comme on s'entendait bien, Daniel passait de temps en temps. Et bon, il a rompu l'exploitation. J'ai mis le doigt dans l'engrenage. Voilà. Et si tu fais qu'à... Alors moi, j'ai commencé l'apiculture en loisir il y a plus de 10 ans avec 2 ruches. Et puis après, je suis monté très rapidement à une quarantaine de colonies. J'étais salarié du secteur privé comme technicien de maintenance. En 2014, j'ai eu un trou de carrière qui est bien tombé avec la saison apicole. Jean-Pierre, sur Internet, cherchait un saisonnier. Et pour découvrir, autre que sur la partie amateur, le métier d'apiculteur professionnel, je me suis rapproché de Jean-Pierre pour faire une saison en tant qu'ouvrier apicole chez lui. Et découvrir le monde d'élevage, et puis d'un cycle complet, enfin, presque complet, parce que c'est que 3 mois, de la conduite d'une exploitation professionnelle. J'ai aussi fait la formation technicien sanitaire apicole. Et par contre, à cette période-là, comme j'étais sur la limite des 40 ans, que m'investir dans une formation des PPREA, c'était un peu long et qu'il faut donner à manger aussi à la famille et aux enfants, j'ai repris une activité de salarié. J'ai un peu mis de côté le fait de faire une installation professionnelle et je suis resté en contact avec Jean-Pierre. Et en 2016, quand il voulait prendre sa retraite et que le projet de reprise familiale ne se faisait pas, j'ai proposé de reprendre une 60aine de ruches pour augmenter mon cheptel et reprendre quelques emplacements. Et c'est là que Jean-Pierre m'a fait la proposition, enfin la demande de dire est-ce que tu ne peux pas étudier de reprendre l'exploitation complète. Le choix était relativement vite fait. J'ai démissionné et j'ai repris l'ensemble du matériel
et du Châtel. J'ai revendu le mien pour pouvoir conserver l'agrément bio et faire entrer aussi un peu des sous pour financer une partie de cette reprise. Et puis voilà, à ce jour, j'ai 300 ruches en production. Enfin, c'est 5 ruchers de 64 ruches qui sont déplacés en camion poids lourd avec un chargeur pour faire l'hivernage maintenant, plus dans le midi comme le faisait Jean-Pierre, mais sur l'Ardèche, avec un circuit après qui fait acacia, fleurs, châtaignier, lavande, montagne et sapin. Il y a un saisonnier toujours de mi-avril à début juillet et l'exploitation fait 100% de sa production en bio avec du miel, de la propolis, de la cire sous le statut du microbéa. L'objectif de cet habitum de production. L'objectif parce que les années se suivent, ne se ressemblent pas. Dans le circuit de distribution, il y a 5 à 10% qui sont vendus au détail. 60-70% qui sont vendus en demi-gros, donc c'est conditionné sur l'exploitation, étiqueté, revendu dans les magasins en local, sur le monde de l'Ardèche, et le reste en gros. On peut expliquer aussi comment on a fait le passage. Bon, quand tu as pris le matériel et les ruches, je me suis engagé à travailler avec Daniel. Ouais, pendant 2 ans. Durant 2 saisons, ouais. Pouvoir faire à la fois la transmission sur le circuit complet, voilà. Un peu plus que sur les 3 mois d'un ouvrier apicole, et se perfectionner aussi sur l'élevage, c'est quelque chose qui est indispensable, l'élevage. Avoir tout ça. Et on fait 100% de nos essaims, autonome en essaim et en cire sur l'exploitation. Donc l'année, les saisons 2017 et 2018, on les a fait ensemble. Ouais. Voilà. Est-ce que Jean-Pierre et Daniel, je crois que, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez géré en fait quand vous êtes parti à la retraite, Jean-Pierre, vous avez gardé 80 ruches à peu près, et donc vous en aviez 300, Daniel. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous gériez ce cheptel? C'était un cheptel commun ou comment ça se passait? En 2017-2018, non. Depuis 2018, Jean-Pierre ne produit plus de miel. Il travaille les colonies comme ça. Ce qui fait qu'il n'y a pas de mélange après sur l'extraction, sur autre. Donc, ils vont quelques essaims de temps en temps, pas de temps. Et... Oui, autrement, en 2017-2018, les ruches, mes ruches avec les siennes, c'était pas celles-là, les miennes, c'est mes. Après, on faisait un peu en retard sur la récolte. Ouais. D'accord. Et Daniel, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu, je crois, donc pour le bâtiment, donc c'était une location, du coup... Elle est toujours, hein, c'est toujours, je suis toujours dans les murs, encore même un petit peu plus longtemps que prévu. Moi, j'ai repris l'ensemble du matériel et 300 colonies, donc on a la totalité du cheptel. Et pour le bâtiment, on a conclu un prêt d'usage pour le bâtiment. Séparé d'un agriculteur, c'est extrêmement compliqué. Jean-Pierre veut rester propriétaire des murs. Je le comprends. On a un cadre magnifique ici. Et moi, j'ai un projet de construction de mon propre bâtiment, là, qui est en cours, bien en cours d'ailleurs. Et pour investir en vrai celui-ci, je pense, en 2023. L'hiver 2022, durant l'hiver 2022-2023, si ça se passe bien. D'accord. Alors, moi, j'avais une question aussi. Comment vous avez géré je trouve que c'est intéressant votre transition, c'est-à-dire que Jean-Pierre a pu accompagner Daniel sur la conduite des ruches puisque vous avez travaillé à deux. Est-ce que vous avez eu des problèmes du fait que c'était sur la prise de décision, puisque c'était les ruches, en majorité les ruches de Daniel, mais avec l'expérience de Jean-Pierre? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été fluide? Et quelles astuces vous auriez à donner à ceux qui vivent ces expériences?
pense que d'un point de vue rationnel, il faut être… Oui, il faut bien s'entendre. Ouais. Et puis bon, comme j'ai dit, 2017, Daniel n'avait pas fait une saison complète, donc c'est un peu moi qui ai dirigé l'élevage, le truc. Et, pour... et en 2018, c'était Daniel qui a tout organisé. Moi, ouais, je ne suis pas arrivé avec un chamboule-tout. Hein. Ça fait plus de 50, 60 ans que… puisque le père à Jean-Pierre était apiculteur précédemment, hein, que l'apiculture était pérenne ici sur les lieux. Donc, pour, au début, en reprenant, je me suis calqué sur exactement sur ce que faisait Jean-Pierre, pourtant la création de dessins sur rose pour du remérage, la création de dessins en quatre cadres, sa méthode de greffage, etc. Il y a des choses qui ont évolué, et je fais les choses un peu différemment, mais ça a été petit à petit, et avec parcimonie, pour voir quelles étaient les conséquences à la fois sur l'exploitation et sur le déroulé. Et c'est ça que j'ai bien aimé chez Daniel, de ne pas tout rester, faire comme, comme moi, justement, parce qu'on se pose tout le temps des questions. Hein. Et j'ai bien aimé, bon, il a changé un peu de méthode, et ça, je trouve que c'est très bien. Au moins, il avance. L'apiculture, c'est un métier où on se pose des questions toutes les 5 minutes. Et là, on s'en est déjà tous posé un bon paquet. Et du coup, qu'est-ce qui a changé enfin, notamment dans les changements, je crois qu'il y avait au niveau des emplacements d'hivernage, par exemple Principalement, c'est déjà un gros point. Macron a décidé un peu de stopper les hivernages dans le midi. Hein. Jean-Pierre avait des emplacements d'hivernage au nord de Montpellier, autour du Pic Saint-Loup. Une zone très très bien hein, avec du romarin, du thym, un hivernage plutôt doux avec peu de consommation et puis un redémarrage des colonies plus précoce. Maintenant, ce redémarrage avec les bouleversements climatiques, il n'y a plus que 15 jours de décalage par rapport à la région ici. Les questions elles se posent sur la gestion varroa d'hiver. Tant qu'on se retrouve avec du couvain en hiver, et ben, on a toujours des développements un petit peu. Des varroas qui vont se cacher. Donc, les traitements sont un peu plus faciles avec un arrêt de couvain dans une zone moins clémente. Et puis, ben, en poids lourd, ça a un coût. Et puis, c'est très chronophage. Il faut descendre 5 voyages, les remonter au printemps, plus créer des essaims sur place, travailler dans le midi pour l'hivernage et puis, le redémarrage de printemps, c'est énorme. Enfin, une transhumance avec le camion, c'est à peu près 450 euros. 5 voyages aller, 5 voyages retour. Vous voyez, déjà, la part du chiffre d'affaires qui s'en va rien que pour les descendre et les remonter. Et bon, moi, j'avais un pied à terre avec un entrepôt pour remuser du matériel. Que toi, du coup, tu n'as plus rien. Hein. Non. Tu peux aller à l'hôtel. Déjà, investir ici, c'est compliqué. Investir dans le midi, pouf. Justement, sur les aspects un petit peu financiers de la transmission, voilà, on a compris le bâtiment, lui, est sous le régime d'un prêt d'usage. Donc, c'est un prêt, du coup, à titre gracieux. Vous pouvez nous préciser juste ce que c'est le prêt d'usage? Oui, obligatoirement, à titre gracieux, sans aucune rémunération, aucune. Ça permet à quelqu'un de prêter quelque chose. Sans avoir la contrainte d'avoir un bail agricole. Un bail agricole, c'est une durée de 9 ans. Et après, pour sortir un agriculteur de chez soi… C'est comme pour le terme. Dans le cas où l'entente ne va plus, c'est, il est indélogeable. Voilà. Donc, on se connaissait, mais on ne se connaissait pas non plus. Voilà, donc on démarre au démarrage quand on commence… Il faut à la fois sécuriser tout le monde et que lui puisse récupérer son bien et que moi, je puisse avoir la garantie d'avoir un lieu pour continuer le travail sur l'exploitation. Et ça a été très, très rapidement comme une solution, la meilleure des solutions. Ok, et par contre, donc les colonies ont été vendues, le matériel de transhumance aussi, c'est ce que… Début de
2017. Au tout début, avant d'attaquer même. Elles ont même été achetées, alors j'ai fait confiance à Jean-Pierre, hein, parce que, mais bon, comme il restait après pendant 2 ans, elles ont été achetées en plein hiver, hein, les colonies, on les a même pas regardées ni rien. Hein, donc voilà, il y a eu une reprise de l'exploitation. C'était au mois de novembre. Moi, j'ai remis ma démission et j'ai fait mes 2 mois de préavis et puis pour attaquer impérativement au 1er mars pour pouvoir redémarrer et faire des dessins, etc. Et alors, du coup, l'ensemble de cet investissement, bon, je ne sais pas si vous souhaitez donner le montant, mais en tout cas, ça reste, j'imagine que ça représente une certaine somme. Comment, Daniel, tu as pu financer ça? Est-ce qu'il y a eu des aides spécifiques? Parce, voilà, sur la transmission, je sais qu'il y a des choses un peu particulières, parce que ce n'est pas du matériel neuf. Donc, il n'y a pas forcément des subventions sur tout. Est-ce que tu peux nous tout dire? Il n'y a pas d'aide. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas d'aide. Je ne sais pas au jour d'aujourd'hui. Je ne suis pas repenché sur le truc. À l'époque, il n'y avait pas d'aide. En démissionnant auprès de Pôle emploi, etc., il n'y a pas d'aide non plus. Ça a été la période 2017 un peu compliquée. C'est une question qui avait été... qui m'était demandé quand on a préparé la présentation là. Et ce qui a manqué, ça a été un peu de recul concernant l'année qui allait se dérouler. En fait. Parce que moi, j'avais planifié cette année enfin, c'est 6 mois sans revenu. La reprise en 2016 s'est faite très bien. Par contre, en 2017, c'était une année qui n'a pas été catastrophique comme 2019, mais ça n'a pas été une bonne année. Et en fait, je ne me suis pas retrouvé avec les récoltes espérées, même à minima, par rapport à ce qui a été planifié, par rapport aux moyennes de l'exploitation des années comme ça. Donc, quand j'ai commencé la commercialisation, c'était un peu tendu. Ouais. Donc, ça a été compliqué. Oui, puis moi, je n'ai pas pensé aussi... moi, j'avais un stock régulateur. C'est-à-dire, une mauvaise année, j'avais toujours 5-6 tonnes à la cave pour bien tourner, quoi. Et que Daniel, lui, il part avec zéro. Et en attaquant par une mauvaise année... On n'est pas capable de créer ce stock régulateur. Voilà, il faut attaquer stock, on ne peut pas le créer. En plus, comme c'était une mauvaise année, il a tout vendu. Heureusement, tu t'es rattrapé un peu sur 2018. Qui était pour moi. Exact. Oui, parce que du coup, il y a de l'écho. Tu n'as pas racheté les stocks, Daniel, de Jean-Pierre, en fait. Donc, ça n'a pas permis de... Non, après, on a un problème fiscal. Acheter du miel et le revendre, on n'a plus le même statut fiscal. Tout à l'heure, vous avez parlé du statut social avec la MSA, mais on n'a pas parlé du statut fiscal. Le statut fiscal, il y en a deux principaux en agriculture, ou le micro-BA ou le réel. Et ils sont des avantages et de très gros inconvénients pour l'un comme pour l'autre. Et revendre du miel ne rentre pas dans le statut du micro-BA. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment? Différemment. Moi, non. C'est bien. Moi non plus. Non, non. Je n'ai pas de regrets et ma famille non plus. Parce que c'est quand même un step important. Hein. Enfin, voilà, quand on se lance dans une activité professionnelle comme ça, avec un très grand changement, hein, salarié, s'arrêter et se lancer. Alors, j'ai pas de regrets, mais j'ai qu'une déception, c'est la méconnaissance que j'avais de l'autre monde agricole, je l'appelle. Parce que, en fait, je n'avais pas conscience qu'on ait autant de produits phytosanitaires employés, quelles que soient les cultures, les autres cultures. Et en fait, l'apiculteur aussi, outre le fait de vouloir produire du miel, en fait, il doit courir sans cesse après la fuite pour éviter certaines zones, certains traitements, certaines cultures, refaire des rennes, des essaims, parce que voilà, y a des conséquences avec les autres collègues agricoles. On a une petite question de détail sur le statut juridique de Daniel. Moi, je suis en entreprise individuelle au micro-BA. Ok. On a aussi une question sur quelles sont les difficultés que Daniel, tu as rencontrées du coup depuis que
que tu exploites seul? Est-ce que Jean-Pierre finalement est quand même encore là pour répondre aux questions? Comment ça se passe? Ah, il est tout le temps là. Je suis là, mais bon. Si jamais, il est là. Ouais. Et je ne me prive pas de demander son avis ou autre. Ouais, ouais. Mais bon, ça roule tout seul, quand même. Ok, alors peut-être une dernière question, si je ne sais pas s'il y en a d'autres, hein, n'hésitez pas à les poser dans le petit module Q et R. On a encore un peu de temps, donc on peut prendre d'autres questions. Moi, j'en avais. La difficulté, j'en vois une, là, d'Olivier, sur les trois dernières années, bah, ça a été bah, les récoltes, et puis notamment 2019. Hein. 2017, qui a été la première année, comme on a parlé tout à l'heure, enfin, démarrer avec une mauvaise année, enfin, avec une année médiocre. C'est compliqué. 2019, ça a été la cata complète. Hein. Je ne comprends pas le dessin pour ceux qui trempent un peu dans l'agriculture déjà. Là. C'était infernal. Et on nous redemande la question du financement. Donc, on a entendu qu'il n'y avait pas d'aide. Donc, j'imagine que l'ensemble du financement a été réalisé sur des fonds propres, Daniel? Ou est-ce que tu peux apporter? Fonds propres, revente de mon cheptel en 2017 et puis un emprunt. Oui, la revente du cheptel est justifiée par le fait que c'était des colonies qui étaient non bio et que tu reprenais une exploitation bio. Oui. En plus, dans un premier temps, oui, ça permettait de pouvoir conserver et de ne pas faire de conversion de mon cheptel. Et puis, oui, il fallait rentrer des billets pour avoir à la fois de l'apport et puis une partie du financement. Ouais. Après, le reste, ça a été sur un emprunt. Quel conseil vous donneriez à des personnes qui envisagent une transmission pour un petit peu tester leur compatibilité? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez repérées de votre expérience qui vous permettraient de conseiller d'éventuels autres couples apiculteurs porteurs de projet? Je pense que l'entente, enfin l'entente, c'est primordial. Alors peut-être comme on a fait nous, le fait qu'en 2014 j'ai fait une saison, ça a permis de à la fois donc patron salarié déjà de se connaître un peu et de tâtonner. Enfin, on a des collègues hein, dans le coin aussi qui arrêtent et qui se demandaient comment faire la transmission, etc. Et avec des gens qui se présentent et ceux qui se présentent, des fois on les sent pas ou ça passe pas et c'est compliqué. Donc il faut je pense déjà se connaître un minimum. Et puis, comme moi, je passais un peu régulièrement. Et puis, bon, on est resté en contact après la saison salariée. Ça a permis de... Ok. Eh bien, écoutez, merci. On va peut-être poursuivre. Il y aura sans doute d'autres questions, si vous pouvez rester avec nous. J'imagine qu'il y aura peut-être d'autres questions qui vont venir après l'intervention suivante qui traite aussi de la transmission. Alors bonjour à tous, Muriel Landreau, je travaille à la Chambre d'agriculture au sein de l'équipe entreprise et je m'occupe pour une partie de mon temps de la transmission, en particulier avec un dispositif, l'animation d'un dispositif qui s'appelle le répertoire départ installation qu'on vous présentera tout à l'heure. Voilà, et moi je m'appelle Raphaël Maire et je suis conseiller transmission, donc conseiller au point accueil transmission, on va en parler aussi, à la Chambre d'agriculture de la Drôme également. Donc l'idée là, c'est de vous dérouler un peu les étapes clés et les accompagnements possibles en matière de transmission. On vous a remis aussi une première diapositive qui rappelle un peu le contexte actuel du renouvellement des générations agricoles, juste pour avoir un aperçu, même si c'est assez connu, hein, en moyenne depuis 2010, on n'a que 58% des cédants, des sortants, qui sont remplacés par des entrants. Voilà. En sachant qu'on a un gros challenge à relever là, dans les prochaines années, puisqu'on a quasiment un tiers des exploitants qui vont partir à la retraite dans les 5 prochaines années. Et cette tendance globale, hein, c'est une tendance générale nationale qui masque quand même des différences importantes selon les filières. Nous, dans la Drôme, j'ai pas une vision globale au niveau national, mais dans la Drôme, en tout cas, on voit des filières qui s'en sortent plutôt bien, comme le maraîchage ou les plantes aromatiques,
et des filières qui ont vraiment du mal, comme chez nous en tout cas, comme l'élevage. Voilà. Alors, si on déroule les étapes, les différentes étapes de l'arrêt d'activité, ce qu'on conseille, c'est d'anticiper les choses, puisque ça, transmettre dans de bonnes conditions, ça prend du temps. Et donc, assez tôt, on a tendance à conseiller dès 55 ans, l'idée, c'est d'étudier ses droits à la retraite avec la MSA, de regarder son relevé individuel de situation par rapport à ses trimestres et d'essayer de voir avec la MSA quand est-ce qu'on va pouvoir partir à la retraite pour avoir une date et après, on pourra élaborer un plan d'action par rapport à une échéance. Le conseil aussi, c'est de, dans la mesure du possible, de maintenir un potentiel transmissible. On voit beaucoup d'agriculteurs, des apiculteurs aussi, hein, qui réduisent leur activité. Alors, on peut les comprendre, hein, souvent parce qu'ils sont soit fatigués, soit il y a des problèmes de santé ou autre, qui réduisent leur activité. Et du coup, la transmission est plus difficile quand on a une exploitation qui est un petit peu perdu de vitesse. Donc, ça veut dire qu'on essaie de maintenir des emplacements de qualité, des colonies de qualité, si on peut. Voilà, ça, c'est quand même assez important. Dès 57 ans, ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir se renseigner sur la cessation d'activité auprès du point accueil transmission. Donc, le point accueil transmission, c'est un dispositif qui est national. Donc, on en trouve un dans chaque chambre d'agriculture. Donc, ça s'appelle point info transmission ou point accueil transmission, mais c'est la même chose. L'idée, c'est de pouvoir bénéficier d'un accueil individuel qui est confidentiel et gratuit. Donc, vous rencontrez un conseiller ou une conseillère transmission qui vous informe sur les aides à la transmission, les démarches que vous aurez à faire et qui essaye de faire avec vous un peu, avec les cédants, un état des lieux. Et qui, l'idée, c'est vraiment de se mettre en mode projet de transmission. En fait, vous avez parlé tout à l'heure ce matin de projet d'installation. Nous, on parle de projet de transmission aussi. Ça veut dire que il y a des étapes à franchir les unes après les autres et puis on avance petit à petit et ça prend un peu de temps. Donc, on essaie de dérouler cet état des lieux et ce plan d'action. Et puis, bien sûr, on ne travaille pas tout seul. Hein, on l'a vu tout à l'heure avec d'autres organismes. L'idée, c'est aussi de vous orienter vers les bons interlocuteurs en fonction de vos besoins. Donc, ça peut être la MSA, ça peut être un notaire, ça peut être d'autres organismes, un comptable. Voilà, c'est assez varié. Ce que je rajouterais, c'est que le point accueil transmission s'adresse vraiment à tous les exploitants pour un projet d'arrêt d'activité, que ce soit dans un cadre familial ou hors cadre familial. Et c'est un peu le parallèle du point accueil installation pour les jeunes et pour les candidats. C'est un peu, il y a une porte d'entrée et là, c'est un peu la porte de sortie pour des informations. Mais voilà, c'est pas que pour les hors cadre, c'est bien pour l'ensemble de la population et l'ensemble des cédants. Si on poursuit les étapes de l'arrêt d'activité, un des premiers documents que reçoivent les futurs cédants, là, c'est la déclaration d'intention de cesser son activité. On appelle ça la DICA. Donc, la MSA envoie ça à tous les agriculteurs dans chaque département, 3 ans ou 4 ans avant l'âge légal de la retraite. Donc, en gros, à 58 ou 59 ans, chaque exploitant agricole reçoit un formulaire CERFA qui ressemble à ça. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de donner des informations sur son intention. Ça reste une intention. Hein, si on n'a pas encore d'idée précise de ce qu'on va faire, c'est pas très, très gênant. Mais en tout cas, ça permet d'avoir les premières intentions de l'exploitant agricole sur sa future cessation d'activité. Et donc, ce document, il a renvoyé à la Chambre d'agriculture qui le fait suivre au service de l'État, à la Direction départementale des territoires. Et donc, nous, ça nous permet de savoir qui va céder son exploitation et qu'est-ce qu'il souhaite faire. Voilà. Et souvent, pour les exploitants, ça permet d'être le début d'une réflexion et de se dire « Ah, bon, il faut que je commence à réfléchir comment je vais procéder. » Voilà, c'est aussi le moment, vers 58 ans, on va dire, 58-59 ans, hein, après, c'est un peu variable, de réfléchir aussi avec son comptable, sur la cessation comptable, parce qu'il y a des éléments fiscaux qui vont entrer en jeu. Et si on s'y prend assez tôt, c'est beaucoup plus facile. Si on s'y prend à la dernière année, on ne peut plus optimiser, on va dire ça comme ça, fiscalement, son arrêt d'activité. Voilà, ensuite, on va dire qu'une fois qu'on a la date d'arrêt,
Si 2 ou 3 ans avant la date d'arrêt, on n'a pas identifié son repreneur, c'est là qu'il faut se renseigner pour être accompagné dans la recherche. Bien sûr, on peut rechercher de manière autonome via bouche à oreille ou via certains organismes, mais l'idée, c'est quand même de se faire accompagner dans la mesure du possible. Et donc, nous, au sein de la Chambre d'agriculture, dans chaque département, il y a un outil qui s'appelle le répertoire de départ d'installation. Oui, donc effectivement, moi, je vais intervenir auprès d'un public qui n'a pas de repreneur identifié et qui cherche une solution par rapport à ça. Donc, je voulais revenir sur les motivations de ce public-là. Donc, effectivement, ils n'ont pas de solution facile dans un cadre familial ou auprès des voisins. Mais c'est souvent des gens qui croient dans leur outil, qui trouvent que leur outil de travail a une certaine cohérence, un certain potentiel qui soit économique, commercial, et qu'après leur arrêt d'activité, ça vaut le coup de poursuivre, même si c'est hors cadre, et que c'est valorisant, que ça leur apportera quelque chose. Ce n'est pas forcément la voie la plus facile, mais c'est vrai qu'il y a cette motivation de faire perdurer leur outil. J'allais dire aussi pour certains, il y a le souhait de maintenir une activité économique dans certaines communes un petit peu reculées, et donc qui dit maintien d'une activité économique, c'est aussi une famille potentiellement qui peut s'installer, c'est aussi l'école du village qui peut tourner et tout ça. Donc il y a cette motivation-là pour certains d'entre eux. Ensuite, c'est vrai qu'il peut y avoir des aspects purement de valorisation d'un bâtiment ou d'une clientèle. Enfin, en apiculture, on sera peut-être plus sur des notions comme ça, en se disant, s'il n'y a personne derrière moi, je ne vais rien valoriser. Donc là, si je veux avoir un retour financier de mon exploitation, si ça part à l'agrandissement ou si je ne cède que les terres et pas le bâtiment, on n'a pas forcément cette valorisation. Donc là, il y a un retour plus direct. Et je pense aussi pour certains, il y a la volonté, avant de trop faiblir, de dire ce serait bien que quelqu'un prenne le relais et maintienne l'activité. Justement, on parlait de maintenir le potentiel transmissible, mais c'est aussi peut-être d'avoir cette phase de relais, de se dire j'ai encore des projets, il y a encore des projets à faire, mais moi tout seul, je ne peux pas les faire, donc je cherche quelqu'un pour m'aider à les conduire jusqu'au bout de ma carrière. Donc, pour ça, ce n'est pas exhaustif. On a effectivement un dispositif qui s'appelle le répertoire départ installation, donc le sigle CRDI. C'est un dispositif qui a été développé par les ADASEA et qui a été repris par les chambres d'agriculture par la suite. Et effectivement, comme le disait Raphaël, il existe dans tous les départements. Il y a un animateur départemental, souvent, enfin, qui est à la chambre d'agriculture. Et les mots-clés, c'est rechercher, s'associer, transmettre. Donc, les objectifs, c'est de faciliter la transmission des exploitations agricoles, de maintenir des structures agricoles et de favoriser l'installation. Donc, à qui ça s'adresse? Aux porteurs de projets et à des agriculteurs qui cherchent des solutions, qui cherchent un repreneur. Donc, en fait, ça consiste en quoi? C'est essentiellement un site internet. Vous avez l'adresse là, qui est affichée, www.répertoireinstallation.com, sur lesquels on fait paraître des offres d'exploitation. Donc, les agriculteurs cédants sont concernés par la parution des offres d'exploitation qu'on écrit et qu'on rédige avec eux. Et les porteurs de projets qui cherchent des solutions vont pouvoir aller consulter ces offres sur ce site-là, en ayant une garantie que ces offres soient un minimum professionnelles ou sérieuses. Et inversement, pour les agriculteurs, les porteurs de projets qui vont sur ce site ont un projet qui se tient un peu. Ce n'est pas que de la curiosité, c'est quand même une recherche d'activité. À partir de là, on va pouvoir mettre en relation les agriculteurs cédants avec les porteurs de projets. On a un autre dispositif qui s'appelle le stage test installation transmission qu'on développera tout à l'heure et on pourra se diriger vers la reprise d'exploitation. Ce que je voulais peut-être préciser sur le profil des candidats, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui souhaitent s'installer, mais il y a aussi pas mal, enfin, on a un public de gens qui sont en reconversion professionnelle et voire d'agriculteurs aussi qui cherchent à se délocaliser. Donc, ce n'est pas forcément que des jeunes hors cadre, il y a différents publics au niveau des candidats. Donc là, on vous propose de regarder une série de captures d'écran qui présente rapidement le site. Là, c'est la fenêtre d'accueil. Le site a été revu en 2016, donc il a été un petit peu modernisé parce que c'est un outil assez ancien. On arrive assez vite quand on recherche une offre sur cette carte de France. Donc, on peut faire une recherche géographique en choisissant certains départements, comme c'est le cas là sur l'écran. On peut indiquer si on cherche une offre en exploitation individuelle ou en société. On peut indiquer si on recherche une offre à la vente ou à la location. Donc, c'est la différence entre le site du RDI, par exemple la SAFER, qui ne s'occupe que de la vente. On peut indiquer si on cherche en grande culture ou en élevage.
le type d'élevage qui est recherché. Donc là, par exemple, j'avais mentionné les ruches, la surface, est-ce qu'on est en agriculture biologique, est-ce qu'il y a un logement, est-ce qu'il y a un prix de cession. Donc, à partir des critères qui sont renseignés, on va tomber sur une liste. Donc, par exemple, avec ce que j'avais indiqué, on tombe sur cette liste-là de 28 offres d'exploitation apicole. Donc, c'est vrai qu'il y a déjà, nous, actuellement, on n'en a pas sur la Drôme, mais il y a déjà des exploitations apicoles qui sont mentionnées sur le site du RD. Après, quand on va sur l'offre en elle-même, on tombe donc sur un bandeau de photos qui présente rapidement l'exploitation. Donc, ça peut être les moyens de production, ça peut être l'environnement. L'idée, c'est d'avoir une offre assez attractive qui puisse retenir l'attention des candidats. Et ensuite, on a un certain nombre d'informations. Donc, la localisation qui reste globale, puisque on ne peut pas mentionner les coordonnées précises de l'exploitant. Le contact, c'est le contact du conseil RDI qui est mentionné, ce n'est pas le contact direct de l'exploitant. On précise un certain nombre d'informations sur le contexte. Donc, est-ce que c'est dans le cadre d'une retraite? Est-ce que c'est dans le cadre d'une reconversion professionnelle, d'une association? Et puis, un certain nombre d'informations sur les moyens de production. Foncier, cheptel, commercialisation, bâtiment d'exploitation, tout ce qui peut paraître utile. Donc, c'est vrai qu'il y a des rubriques qui sont obligatoires, mais après, on est libre de la rédaction de l'offre et du détail de l'offre. Et on fait ça en collaboration avec l'agriculteur cédant. Donc, c'est bien un travail un petit peu à deux mains. Enfin, en tout cas, il y a une relecture par l'exploitant, bien évidemment. On mentionne également les conditions de reprise. Donc, effectivement, est-ce que c'est à la vente, est-ce que tout est à la vente? On peut mentionner des informations ou des demandes particulières sur le profil du candidat et, comme je disais, sur la commercialisation et le prix de cession. Alors, c'est vrai que sur le prix de cession, on est assez prudent parce que des fois, il n'est pas établi au moment où on fait paraître l'offre. Et puis, ça peut être bloquant aussi d'afficher un prix de cession sans explication. Donc, c'est vrai qu'on préfère, à mon niveau en tout cas, le choix qu'on a fait, c'est plutôt de ne pas les publier. Mais par contre, quand on a les contacts des candidats, de pouvoir les renseigner en direct et d'apporter l'explication qui va avec en direct. Pour ce qui est de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on cherche à partir du RDI à diffuser les offres de manière un petit peu plus large auprès de partenaires. Et là, ce n'est pas un partenaire, mais c'est une page Facebook de la Chambre d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle « Devenir agriculteur ». Et l'idée, c'était aussi de toucher un autre type de public, peut-être plus sensible à l'information sur Facebook que sur Internet, donc d'avoir une approche un peu complémentaire en termes de diffusion. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que des fois, le fait qu'il y ait une offre qui paraisse sur le RDI est déclencheur. C'est-à-dire que des fois, au niveau local, il y a des gens qui cherchent, mais qui ne se mettent pas en relation avec des exploitants qu'ils connaissent ou n'y pensent pas, ou c'est sur la commune voisine. Et le fait qu'il y ait une offre au niveau du RDI, d'un coup, effectivement, c'est un peu l'élément déclencheur qui va aller vers la mise en relation. Au niveau de la Drôme, ça se fait aussi dans d'autres départements. On a mis maintenant un formulaire de candidature. Donc, en fait, on demande aux candidats de s'inscrire au RDI et de nous donner un certain nombre d'informations pour être mis en relation. Donc, du coup, par simplification, ce questionnaire est maintenant disponible sur notre extranet. Et c'est le choix de plusieurs départements. Donc, ça permet aussi de démultiplier en fait, les réseaux et les présentations. Voilà, l'idée, c'était aussi de vous montrer qu'il y a différents types d'accompagnement possibles. Hein. On a des accompagnements individuels ou des accompagnements collectifs sous forme de formation, formation à la transmission. Là, on a aussi un accompagnement individuel qui est alors là un dispositif régional Auvergne-Rhône-Alpes. Mais en regardant un peu ce qui se passe dans les autres régions, j'ai vu qu'il y avait d'autres formules qui ressemblent à peu près à ça. L'idée là, c'est de dire on peut proposer un accompagnement à la carte dès les premières réflexions jusqu'aux démarches avec le futur repreneur. Donc, c'est un contenu qui est en trois phases. Donc, en gros, trois jours d'accompagnement. Une première phase qui est l'établissement du plan d'action. Une deuxième phase qui est le suivi du plan d'action. On fait un point à mi-parcours, on va dire. Et la troisième phase, c'est la préparation des démarches avec le futur repreneur. Donc, au sein de cet accompagnement, souvent, il y a une offre, lorsqu'il y a un accompagnement hors cadre familial, il y a une offre au répertoire départ installation, là, ce que Muriel vient de présenter.
Voilà, pour les conditions de cet accompagnement, il faut, c'est relativement simple, il faut juste avoir entre 55 et 62 ans, ne pas avoir de repreneur clairement identifié, et c'est un accompagnement gratuit. Voilà, donc je vous dis, ça c'est un dispositif régional, mais dans les autres régions, je pense que l'équivalent peut être proposé. Il y a un autre dispositif qui s'appelle l'audit de transmission. Donc là, c'est un dispositif national financé par l'AITA, donc c'est des aides de l'État. Donc là, l'objectif, en fait, c'est de collecter un certain nombre d'informations et d'analyser la situation de l'exploitation pour rédiger une offre et puis aussi pour préparer la transmission. Donc, on va collecter des choses sur les moyens de production, sur les aspects économiques. C'est aussi un temps pour mûrir un petit peu et se poser des questions, par exemple, sur le logement, sur l'avenir du logement, sur les enfants, sur… Donc, ça permet d'enclencher aussi la démarche. On peut y associer parfois des évaluations, enfin des expertises, qu'on appelle des expertises. Donc, ça va dépendre, en fait, aussi des experts dont on dispose à la Chambre d'agriculture. Nous, on le fait assez souvent sur des bâtiments. Donc, ce n'est pas forcément que des bâtiments d'élevage. On le fait aussi, ça peut être le cas sur des potentiels vergers, donc on associe pour avoir un regard plus précis sur certains moyens de production. Donc l'audit, on parlait des aides tout à l'heure, donc l'audit est pris en charge, bien pris en charge, en gros à 80% du coût. Donc sur le département, il reste à peu près 100 à 150 euros hors taxe à la charge du cédant. Il peut y avoir des petites variations selon les départements, mais voilà, à 80%, c'est pris en charge par les aides de l'État. Voilà sur les dispositifs. On voulait aborder quelques notions sur la valeur de l'exploitation, puisque bon, ça, c'est une question qui arrive assez rapidement. Donc, si on reprend un petit peu la littérature, le principe, c'est que la valeur d'une entreprise est constituée de la valeur actualisée de son patrimoine et de la valeur de sa rentabilité future. Donc, c'était pour dire qu'on avait un panel assez large de valeurs possibles. Donc, l'entreprise doit constituer, est un ensemble économique qui détient un potentiel de rentabilité. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de méthode obligatoire pour établir une valeur d'exploitation. Il faut arriver à une valeur défendable qui s'appuie sur une méthode cohérente, qui arrive à établir de manière logique et construite le prix de l'entreprise. Et il faut avoir le souci d'avoir une valeur juste au regard de la fiscalité, du droit successoral et de la négociation avec le repreneur. Donc, ça, c'est un peu des grands principes, la littérature, l'état d'esprit. Dans les faits, il y a trois méthodes d'évaluation qui sont assez fréquentes, on va dire, même si, enfin, quelque part, c'est un exercice délicat que d'établir la valeur d'une exploitation, mais on a ces trois méthodes qui existent, et ce qui ressort, c'est que ça peut être une bonne chose d'utiliser une méthode, enfin, d'estimer ces trois valeurs et de faire une combinaison de ces trois méthodes de calcul. Donc, la première valeur s'appelle valeur patrimoniale. Deuxième valeur, valeur économique de rentabilité, de rendement, ça dépend. Et enfin, la valeur de reprenabilité. Donc, la valeur patrimoniale, c'est peut-être la plus facile à établir ou à expliquer. C'est de définir, en fait, de quoi est constitué le patrimoine de l'exploitation, les moyens de production de l'exploitation. Donc, ça nécessite de faire un inventaire des facteurs de production, foncier, bâtiment, cheptel, matériel. Même en apiculture, ce genre de choses, vous l'avez, de faire un inventaire donc, de tous les biens nécessaires à la bonne marche de l'entreprise. Là-dessus, après, on va pouvoir établir des prix différents en fonction des critères qu'on retient. Est-ce que c'est une valeur d'usage? Est-ce que c'est une valeur comptable, etc. Donc, on a quand même des variations possibles. La deuxième valeur s'adresse, enfin, c'est plus une notion d'économique. Donc, on va regarder l'excédent brut d'exploitation. Donc, c'est l'excédent brut d'exploitation, en gros, c'est produit moins charge courante de l'exploitation, charge opérationnelle et charge de structure. Et on va se dire, voilà, si on avait placé cette somme-là, enfin, cette référence-là, pendant 18 ans avec un certain taux en appliquant un coefficient de risque, quel capital on aurait eu. Et c'est ce capital, c'est cet équivalent capital qui va constituer la valeur économique.
Je ne rentre pas trop dans les détails, mais le principe, c'est ça, c'est en tout cas de dire, ben, pour une exploitation qui a peu de patrimoine, elle peut avoir une valeur économique parce qu'elle a du chiffre d'affaires et elle a du revenu. Donc, l'idée, c'est de la prendre en compte. Et la dernière valeur, c'est la valeur de reprenabilité. Donc là, l'idée, c'est de dire, est-ce que l'exploitation dégage quand même quelque chose qui permettrait de faire un emprunt et d'autofinancer la reprise. Donc, du coup, on va aussi là calculer un équivalent capital emprunté et on va arriver sur une certaine valeur avec cet équivalent capital. Donc, c'est la notion de est-ce que c'est possible ou pas, sachant qu'on fait une déduction des frais de remise en état de l'exploitation, on en tient compte. Donc, une fois qu'on a établi ces trois valeurs, si elles sont proches, la définition du prix de cession soulève peu de questions. Si elles sont éloignées, par contre, et là, ça va nécessiter un peu plus de questions et de voir si on accorde plus d'importance à l'aspect économique, à l'aspect patrimonial ou à l'aspect reprenabilité. C'est vrai que, par exemple, moi, j'ai eu le cas d'une exploitation qui avait très peu de retours financiers, mais il y avait un potentiel, on pouvait faire quelque chose du patrimoine, il y avait des bâtiments, etc. Et du coup, naturellement, c'est la valeur quelque part patrimoniale qui a été prise en compte de manière plus importante. En tout cas, ce qui ressort, c'est que l'adaptation des cédants est une clé indispensable à la réussite du projet de transmission et à une installation dans des délais raisonnables. C'est vrai que souvent, il y a quand même des allers-retours. Il faut voir si on peut avoir un très bel outil, mais si derrière, on n'a pas un candidat qui va pouvoir vivre ou prendre des risques raisonnables, on ne va pas arriver à une transmission. Donc, oui, il y a des allers-retours, oui, il y a des compromis, il y a des concessions. On n'a pas forcément une transmission complètement idéale dans le schéma qu'on avait fait au départ. Il y a des adaptations à trouver. On voulait juste dire un mot sur le fonds agricole. Donc, le fonds agricole, c'est un moyen, on va dire, de transmission qui permet de valoriser certains éléments immatériels. Donc, il peut peut-être être intéressant en apiculture pour valoriser les emplacements et la clientèle. Donc, il faut déposer ce fonds agricole, en fait, au niveau du CFE avant la transmission et avant la cessation d'activité. Donc, le CFE, c'est le centre de formalité des entreprises. En fait, c'est le lieu d'installation administrative et de cessation administrative. L'idée, c'était de regrouper un certain nombre de démarches au même endroit. Donc là, il y a une démarche à faire pour déposer un fonds. Et après, on a le temps d'établir ce fonds agricole dans lequel il peut y avoir effectivement du matériel, mais aussi des stocks, mais aussi des emplacements, de la clientèle, des choses qui sont moins palpables. Voilà sur les aspects valeur. On y reviendra peut-être à travers les questions. Du coup, je reviens sur les dispositifs d'accompagnement. Tout à l'heure, on a parlé d'une phase de transition qui s'était faite avec une saison ou deux saisons ensemble. Donc, c'est vrai que c'est un dispositif qui s'appelle en région Auvergne-Rhône-Alpes test installation transmission, mais qui existe dans un certain nombre de départements et de régions. Ça peut s'appeler stage reprise, ça peut s'appeler stage parrainage. Donc, l'idée, c'est d'avoir une phase de transition, une période d'essai avant engagement définitif pour d'une part mieux connaître l'exploitation à reprendre, pour préparer le projet d'installation et pour tester l'entente et l'organisation en cas d'association. La durée du stage est variable, elle est de 3 mois minimum, elle peut aller jusqu'à 12 voire 15 mois. Le stagiaire bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle. Il est indemnisé soit par Pôle emploi, s'il a des droits, soit c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui prend le relais. Il est possible de faire plusieurs stages si la première expérience n'est pas concluante et pour le stagiaire et pour le cédant. Et nous, en tant que chambre d'agriculture, on assure un suivi. Donc, au départ, on signe une convention tripartite entre le stagiaire, le maître de stage et la chambre d'agriculture. Donc, le stage test, c'est vraiment, il faut avoir cette notion de période d'essai et ça permet de travailler, ça permet de finaliser son projet d'installation. Sachant qu'en gros, sur le département, nous, on a un stage sur deux qui aboutit à une installation. Donc, il ne faut pas voir ça comme un échec, mais vraiment comme une période d'essai. Donc, à la fin, c'est possible de ne pas s'installer sur cette exploitation-là. Ça fait partie des possibilités, bien sûr.
Donc, je vais terminer pour moi. Il y avait une question tout à l'heure sur les aides à l'installation, les aides tout simplement. Donc, il y a peu d'aides maintenant qui existent en dehors des prises en charge des accompagnements pour les cédants. Il y a une aide pour l'inscription au répertoire des installations qui est de 4 000 euros. Donc, c'est vrai que cette aide est perçue par l'agriculteur s'il s'inscrit suffisamment tôt au RDI, s'il fait paraître une offre au moins un an au RDI et s'il y a une installation effective. Donc, il faut vraiment qu'il passe le relais, qu'il arrête son activité et que le porteur de projet soit installé. Il y a des aides qui existaient précédemment sur du logement, auprès des propriétaires. Aujourd'hui, en tout cas, chez nous, ça n'existe plus. Enfin, il y a le cadre pour le faire, mais il n'y a pas forcément les financements. Donc, aujourd'hui, l'aide directe, on va dire, c'est celle-ci qui existe partout. Voilà, si on reprend ce qu'on a commencé à dérouler tout à l'heure, les étapes de l'arrêt d'activité. Donc, on vient de voir avec Muriel les méthodes pour rechercher un repreneur, hein, les différentes méthodes d'accompagnement. L'idée, c'est que environ un an avant l'arrêt d'activité, on ait pu choisir son repreneur et se mettre d'accord sur les conditions de reprise. Voilà, c'est aussi le moment d'informer les propriétaires. Alors, ça, c'est lorsqu'on a du foncier en fermage. Légalement, on doit prévenir le propriétaire 12 mois avant la retraite, mais c'est aussi le moment, lorsqu'on a des emplacements, c'est aussi le moment d'informer les propriétaires et de présenter, ça c'est intéressant, présenter le repreneur aux différents propriétaires des emplacements. Voilà, plus on se rapproche de la retraite, voilà, à un moment donné, 4 à 6 mois avant la retraite, il faut établir sa demande auprès de la MSA, donc il y a un dossier qui est téléchargeable, soit qu'on peut retirer à la MSA, soit qui est téléchargeable sur le site internet de la MSA. Et donc, il y a un dossier, une demande unique de retraite à faire auprès de la MSA, 4 à 6 mois avant la date choisie. Voilà. Il faut avoir en tête que pour les personnes qui sont double actives, notamment, et c'est assez courant, on est obligé de cesser toutes ces activités lorsqu'on fait sa demande de retraite. C'est-à-dire que si on est apiculteur et salarié à côté, on va liquider l'ensemble de ses droits à la retraite. On ne peut pas garder, on peut pas être apiculteur et prendre sa retraite de salarié, par exemple. Ça, ce n'est pas possible. On est obligé d'arrêter l'ensemble de ses activités. Voilà. On a la possibilité, lorsqu'on est retraité, de conserver une activité de subsistance. Donc, en gros, soit on garde une parcelle de subsistance, soit on garde des ruches. Donc, ça représente ce qu'on appelle un cinquième de SMA. La SMA, c'est la surface minimale d'affiliation. Donc, en gros, au maximum, on a le droit de garder 80 ruches à la retraite. Il y a une particularité pour la Corse, puisque le maximum est de 50. Voilà. Alors, cette activité de subsistance, elle est possible, sauf si l'activité est reprise par le conjoint ou la conjointe. Voilà, il y a une cotisation de solidarité, donc une cotisation réduite qui est due à la MSA si on garde entre 50 et 80 ruches. En dessous de 50 ruches, il n'y a pas de cotisation de solidarité, on ne doit plus rien à la MSA. Et puis, il faut savoir qu'on peut conserver à la fois du foncier et des ruches. Donc, on a toujours cette limite de 1 cinquième de SMA à respecter. Mais voilà, on peut cumuler, on a mis un exemple pour le département de la Drôme. On peut par exemple garder 2 hectares en pâture ou en céréales, et 40 ruches à côté. Voilà. Donc ça permet d'avoir un complément de revenus pour les retraités, puisqu'on sait, on sait tous que les retraites agricoles sont très faibles. Donc ça, c'est quand même un avantage qui est non négligeable. Pour la suite des étapes de l'arrêt d'activité, voilà, à l'âge de la retraite, après, on peut... Ça, tout dépend si on a du foncier ou pas, mais il y a des choses à faire sur le foncier, des démarches à faire auprès de la MSA sur la mutation des terres, sur les aides PAC ou pas. Donc ça ne concerne pas forcément tous les apiculteurs. Disons qu'il faut principalement réaliser avec son comptable ou soi-même les dernières formalités comptables du dernier exercice. Et puis, au moment de la retraite, on a une déclaration à faire de cessation d'activité au CFE, c'est ce que Muriel en parlait tout à l'heure, au centre de formalité des entreprises de la Chambre d'agriculture du département. Donc, en gros, on a un formulaire à remplir pour dire si on arrête complètement, si on clôture l'exploitation individuelle ou en société, ou alors si on conserve cette activité de subsistance et si on conserve des ruches. Voilà.
Donc, le formulaire n'est pas le même, mais ça, le centre de formalité des entreprises de la Chambre d'agriculture vous indiquera quel formulaire il faut renseigner. Il y a une formalité aussi à remplir au GDS apicole du département. Est-ce qu'il y a des... Non, il n'y a pas de formulaire spécifique, mais il faut indiquer qu'il y a un arrêt d'activité soit au GDS pour les adhérents au GDS apicole, soit directement à la DPP. Donc, pour résumer un peu notre intervention, quelques facteurs de réussite qu'on peut identifier. Le premier, c'est « je reste motivé ». C'est vrai que selon les projets, ben, ce n'est pas évident et ça peut prendre du temps. On peut aussi avoir des déceptions, penser qu'on va pouvoir travailler avec un repreneur et puis finalement, ça ne se fait pas. Donc, il faut être en capacité de rebondir pour essayer de chercher un deuxième ou un troisième repreneur. Et se préparer à ce que ça ne se fasse pas forcément tout de suite, mais ça peut prendre 3-4 ans. Je maintiens l'entreprise dans un état de transmissibilité, on en a parlé déjà, ça. C'est important d'avoir une entreprise qui reste viable et intéressante pour une transmission. Je choisis un accompagnement adapté à mes besoins. On l'a vu aussi, il y a des moyens de réfléchir avec d'autres gens. On disait aussi, par exemple, sur le département, on propose des journées d'information, de la formation des temps collectifs avec des pairs. Donc, ça permet aussi d'échanger sur des problématiques communes et puis de rester motivé et de se dire qu'on n'est pas tout seul dans ces réflexions-là. Je partage les mêmes valeurs humaines. Alors, voilà, l'idée, c'est de se dire si on a un peu les mêmes objectifs de fond, on va dire que c'est beaucoup plus facile. Si on s'entend bien avec le repreneur, on l'a vu avec le témoignage tout à l'heure, hein, c'est quand même beaucoup plus facile de partager cela et puis pour transmettre son savoir-faire, c'est plus agréable si on a les mêmes valeurs. Donc, c'est vrai que c'est un élément important. Je transmets mes savoir-faire et favorise l'insertion de mon repreneur dans son nouvel environnement. Oui, là, on a parlé de moyens de production, mais il y a aussi ce savoir-faire de donner aux repreneurs le temps de prendre ses marques. Et effectivement, le cédant a un rôle à jouer. Et si ça marche et si le repreneur arrive à être intégré, ça sera d'autant plus valorisant pour nous. Un des facteurs aussi, c'est la définition d'un prix juste. Muriel en a parlé, c'est un exercice délicat. Mais disons qu'il faut trouver le bon prix, en tout cas le prix qui sera acceptable par le repreneur pour que ça se passe au mieux. Il faut être en capacité de s'adapter là aussi sur la définition du prix. Et enfin, j'associe mon entourage à mes réflexions. C'est vrai qu'il y a des implications entre privé et professionnel. Il y a aussi des fois les choix des enfants, être sûr de leur choix définitif, même s'ils ont pris un autre parcours. Et puis de pouvoir échanger aussi avec son entourage sur ses réflexions et ses doutes. Donc, ça fait partie des facteurs de réussite. Voilà. Et enfin, pour la dernière diapositive, on vous a mis un petit... Une petite caricature, une vieille caricature qui vient de l'Isère, mais qui reste d'actualité. Voilà, où on voit tout l'environnement agricole, les voisins, le banquier, même le chien, qui commente le repreneur et qui ont un avis ou des préjugés sur le repreneur. Donc, voilà, on s'est dit que c'était pas mal. Okay. Alors, il y a plusieurs questions. Je vais commencer par une question qui est relative à des apiculteurs qui souhaiteraient trouver d'autres personnes à qui s'associer pour reprendre ensemble une exploitation. Est-ce que vous, il nous indique, voilà, là vous avez présenté un outil qui permet de connaître des gens qui transmettent, mais est-ce qu'on peut aussi être mis en contact avec un autre outil, pas avec des gens qui veulent aussi reprendre une exploitation? Alors, dans les mots-clés, il y a effectivement rechercher, transmettre et s'associer. Donc, c'est de la reprise et c'est de l'association. Le site, s'il y a une offre, si quelqu'un recherche un associé, il peut tout à fait faire paraître une offre sur le site en précisant qu'il recherche un associé. Donc, ça peut être un associé en remplacement de quelqu'un ou pour développer l'exploitation. Voilà. Donc, l'objectif, c'est aussi ça. Et le stage test, on a parlé d'un stage test ou d'un stage parrainage, c'est pour une entreprise ou pour une association aussi, ça fonctionne aussi. Les outils qu'on a présentés fonctionnent pour une association.
Ok, merci. On avait une question aussi. Alors, Sylvaine, il faudra peut-être me compléter. Enfin, je vais essayer d'être claire, sinon il faudra redire. Donc, suite à la déclaration, donc j'imagine que c'est la déclaration MSA, est-ce que vos services vont recontacter directement les futurs cédants ou est-ce que c'est aux cédants d'entreprendre des démarches, de venir vers vous, en fait? Je crois que vous l'avez un peu dit, Ça dépend un peu. Oui, c'est bon, j'ai compris. Ça dépend un peu des départements, en fait. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas le temps, d'aller vers les cédants. Donc, du coup, c'est aux cédants de venir nous solliciter. Il y a des départements, je pense, où ils sont un peu plus proactifs et ils contactent les cédants. Nous, on envoie parfois des mailings ou des choses comme ça pour parler de nos formations. Donc, on cible en fonction de l'âge et on fait un peu de pub et on essaie d'aller au devant des cédants, mais globalement, sinon, non, c'est aussi aux cédants de se manifester et de venir vers nous. Ok. Alors, on a un petit débat, là, on est plusieurs à être interpellés sur la question de le nombre de ruches qu'on peut garder à la retraite. Parce que vous avez parlé d'un cinquième, a priori, en fait, plusieurs apiculteurs et des salariés d'ADA là, nous font part du fait qu'il y a des interprétations qui diffèrent en fonction des MSA. Donc, on voulait savoir si vous aviez la règle dans l'absolu, puisque vous avez parlé d'un cinquième de l'AMA, de la SMA, qui a 200 ruches, alors que l'ancienne SMI était à 400. Et donc, du coup, voilà, ce seuil de 80. Moi, je suis parti sur une SMA à 400 ruches, en effet. Alors, peut-être que j'ai commis une erreur, du coup. Je suis resté sur le 1/5 de SMA. Et dans ma tête, la SMA était à 400 ruches. Mais Et ouais, du coup, la SMA est à 200 ruches. D'accord. Donc, peut-être que si quelqu'un... mais en même temps, ce seuil de 80 ruches, on l'a déjà aussi entendu. Hein, donc, d'ailleurs, Jean-Pierre, c'était le seuil qu'il avait gardé, lui. Donc, voilà. Il y a peut-être un point à éclaircir, là. On creusera la question. Oui, en effet. Donc, la SMA était deux fois moins élevée que la SMI. C'est ça que vous êtes en train de dire. Oui. La SMA est deux fois moins élevée que l'ancienne SMI. Quoi. Alors, oui. Alors, on a Florence qui nous donne peut-être l'information. C'est 2/5 de la SMA. Donc, c'est bien 80. Donc, c'est bien 80. Ouais, c'est oui, mais elle a écrit donc 40 ruches. Alors là, je ne comprends plus. Bon, écoutez, on reviendra sur ce point si on obtient une information un peu plus fiable. Excusez-nous pour ces incertitudes. Oui, 80. Ce serait bien ça. Ce serait donc 2/5. Ok. C'est bien 80. C'est juste que je recherche pas... l'instruction technique parce que je l'ai quelque part. Je vous la mets en lien sur. D'accord. On la transmettra parce qu'en effet, voilà, comme plusieurs collègues nous l'ont fait remonter, et ainsi que des apiculteurs qui en ont témoigné tout à l'heure dans le chat, il faut peut-être avoir ce papier en allant voir la MSA parce qu'il y a visiblement des conseillers qui ne sont pas informés. Dans notre diaporama. Pardon, dans notre diaporama, l'erreur, ce n'est pas 1/5, mais 2/5, alors, du coup. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut retenir. Ok, alors ensuite, on a quelques questions d'un apiculteur qui semble vouloir transmettre à son fils une exploitation. Donc, la première question, c'est est-ce qu'il peut transmettre sans contrepartie financière, sachant qu'il a deux enfants? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Il voudrait transmettre à son fils sans contrepartie financière, mais entre ses enfants, il va falloir on est plus au niveau patrimonial, qu'il y ait une équité en fait entre ses enfants. Donc il faut voir son patrimoine, ce qu'il y a dedans, et est-ce que son exploitation a une valeur patrimoniale en fait, ou est-ce qu'elle a une valeur tout simplement? Et qui veut lui attribuer ou au contraire qui veut réduire. Voilà, je pense qu'il y a dans la question, il faut faire attention au patrimoine entre les enfants, c'est la notion du patrimoine. On peut aussi des fois privilégier l'enfant qui s'installe parce qu'il a potentiellement plus de capital à reprendre. Donc ça, il faudrait voir ça avec un notaire pour pas faire d'impair. Et ensuite, c'est de se dire quelle est la valeur, quelle valeur je peux attribuer à mon exploitation. Je dis n'importe quoi, mais si la miellerie est dans un bâtiment avec beaucoup de cachets, il faudra compenser, il faudra que son autre enfant soit bénéficiaire de quelque chose, d'une autre valeur patrimoniale.
donc à approfondir. Mais bien distinguer, en fait, des fois, on mélange un petit peu la propriété et l'exploitation. Donc, il faut déjà faire ce travail-là. Qu'est-ce qui ressort de la propriété ou du patrimoine et qu'est-ce qui ressort de l'activité économique, quoi. Ok, merci. Alors, il y avait encore une autre question un peu particulière autour de la TVA, autour de la transmission, mais peut-être qu'on peut conseiller à la personne de se renseigner auprès des chambres d'agriculture, justement, sur les modalités qui s'appliquent. Qu'est-ce que vous conseilleriez pour... voilà. Et la question était, dois-je rembourser la TVA au prorata lors d'une transmission, bah, justement, de la transmission gratuite de matériel à son fils ? Ou avec un comptable, ou avec, enfin, avec un comptable s'il est suivi par un comptable, ou je dirais plus. Soit un conseiller d'entreprise de la chambre d'agriculture, et c'est vrai que c'est vraiment du domaine comptable, là, donc plutôt un comptable aussi. Parce que les règles ne sont pas les mêmes par rapport à ça, en fonction des bâtiments, en fonction de l'ancienneté du matériel, etc. Donc, mais ça, il y a l'information au moment où l'installation va se faire, et il y aura l'information soit effectivement au conseiller d'entreprise, soit par le comptable. Ok. Et encore une fois, pour ce cas particulier, mais qui peut concerner pas mal de monde, sur le fait qu'on puisse conserver un numéro de SIRET, en fait, j'imagine que c'est associé au maintien de l'activité des 80 ruches. C'est ça. En fait, on parlait du formulaire à remplir au centre de formalité des entreprises au moment de la retraite, là, de l'arrêt d'activité. Il y a un formulaire qui clôture l'entreprise, donc on n'a plus de SIRET. Et il y a un formulaire qui permet de garder une activité de subsistance, le fameux maximum des 80 ruches. Et là, on conserve son numéro SIRET. Donc, on conserve une activité, un numéro d'entreprise et une activité économique. Merci. Alors, vous l'aviez un petit peu dit, est-ce que vous pouvez reclarifier, voilà, si on en a 80 ruches, on ne peut pas additionner une autre activité agricole. Il faut faire un prorata. Une personne demande qu'il y a des oliviers parcours sur 3 hectares, est-ce qu'elle peut aussi avoir 80 ruches à la retraite ? Non. Alors non, du coup, si on a 80 ruches, on est au maximum de l'activité de subsistance, donc on ne peut pas garder de foncier à côté. Il faudra réduire son nombre de ruches pour pouvoir avoir un peu de foncier à côté. Et là, on ne peut pas donner d'exemple précis, puisque autant en apiculture, on a un seuil national, autant sur le foncier, sur les terrains, il y a des coefficients de pondération qui sont au niveau départemental. Donc, c'est pour ça qu'on a donné un exemple dans la Drôme, mais dans chaque département, après, il faut connaître les coefficients de pondération et savoir ce qu'il y a, quelles sont les natures de production. Si c'est des truffiers, ce ne sera pas comme des céréales ou comme des vergers. Donc là, il faut se rapprocher de la MSA ou de la chambre d'agriculture pour connaître ce qu'on peut garder. Une question qui concerne le travail que vous pouvez faire avec le cédant sur sa capacité à transmettre, mais plutôt une capacité sociale, psychologique, qui peut être liée, j'imagine, à l'attachement à l'exploitation, mais aussi peut-être à la proximité de l'habitation. Enfin, il y a pas mal de questions qui... Voilà, comment vous prenez ça en compte ? Est-ce que ça fait partie de l'accompagnement que vous proposez ? Ben, j'allais dire, on parlait de l'accompagnement collectif, enfin, je pensais oui. Déjà à ça. Donc là, c'est vrai qu'on fait une formation, mais ça va dépendre des départements, mais ça existe dans notre département, en tout cas, on n'est pas tout seul, dans lequel on intègre un accompagnement, enfin une intervention sur des aspects humains, justement sur le positionnement, sur quelle place pour le repreneur, sur ces choses-là, sur comment aborder certains sujets, sur comment le fait que chacun trouve aussi sa place et ne pas trop empiéter non plus sur le repreneur. Donc, comment favoriser cette phase de transmission. Donc, j'allais dire, il y a cet aspect-là collectif. Et après, effectivement, dans l'audit ou dans concrétisation transmission, ça va être un peu à la carte, mais par exemple la question de l'habitation peut être posée, quoi. À un moment donné, c'est de se dire comment vous projetez, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que vous avez d'autres solutions, et ça va amener à modifier le curseur sur les modalités de transmission. Donc l'idée, d'amener ces réflexions-là, en tout cas l'ensemble de ces éléments, pour une réflexion globale, quoi. Peut-être on peut demander à Jean-Pierre et Daniel de nous dire si ils avaient bénéficié d'un accompagnement lors de la transmission, et si ils ont un retour à... Voilà, Jean-Pierre, Daniel, est-ce que vous pouvez réactiver votre micro pour nous parler
Un accompagnement comment? Est-ce que vous avez été accompagné dans les démarches, hein, tout ce que, avec la Chambre d'agriculture ou autre, ou est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières sur la partie démarche, aide? On a parlé tout à l'heure d'une petite aide envers le cédant. Non, moi j'avais sollicité au départ, quand on a parlé du projet de reprise, la Chambre d'agriculture de l'Ardèche, je suis situé en Ardèche. Plus de 40 ans sans diplôme agricole, il n'y avait pas beaucoup d'aide, et, enfin il n'y avait même rien du tout. Je ne sais pas à l'heure actuelle si ça a changé, mais donc non, il n'y a pas eu de dossier ni d'accompagnement spécifique après derrière. Par contre, j'ai été relancé plusieurs fois par la personne avec qui j'avais été en contact pour savoir comment ça se passait, etc. Et, voilà, après, il n'y avait pas eu spécialement de dossier là-dessus. Non. Ok. Là, il n'y a plus de questions. Je voulais juste peut-être apporter une dernière précision. Je ne l'ai pas dit, là, c'était sur le nombre d'offres au niveau du répertoire départ installation. Il y en a à peu près 2000 sur l'ensemble du territoire. Et là, je regardais rapidement combien il y en avait qui étaient identifiés purement apicoles. Il y en a 28 à ce jour, c'est variable. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un dispositif qui est méconnu des apiculteurs. Ça peut être un moyen de recherche, et il faut savoir aussi qu'il y a peut-être des offres d'exploitation avec des petites surfaces ou des exploitations qui ont vocation à évoluer et à changer de production qui peuvent répondre à des projets apicoles. Donc il ne faut peut-être pas se focaliser que sur ces 28 qui sont purement identifiés apicoles. C'est aussi un moyen de rechercher éventuellement des bâtiments ou des petites surfaces pour mettre ces ruches, bien que ça ne réponde pas à toutes les problématiques. Voilà. Ok. Et y avait une question complémentaire. Est-ce que Jean-Pierre tu as été aidé pour chiffrer le montant de l'exploitation, le montant de la vente en fait que tu as réalisé pour Daniel? Non, j'ai pas été aidé. J'ai calculé à peu près ce qui se vendait sur le marché des ruches et pour le matériel, j'avais téléphoné, j'ai du matériel, bon, on peut dire Landmark, peut-être Thomas, et j'ai téléphoné un peu à Thomas pour dire bon, comment ça se passe pour vendre du matériel. Il m'avait dit bon, pour calculer à peu près la somme du matériel. Ok, j'ai une question complémentaire à l'intention de Raphaël et Muriel. En apiculture, on a quand même assez souvent des exploitations qui sont démantelées. D'ailleurs, c'est un petit peu le sujet de l'atelier qui sera traité lundi. Comment favoriser la transmission plutôt que le démantèlement, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de foncier agricole. Donc, du coup, voilà, il est parfois plus intéressant de repartir de zéro avec des subventions sur du matériel neuf, etc. Est-ce que c'est des réflexions qui existent dans d'autres filières, voilà, qu'il y a des politiques publiques qui poussent un peu plus à la reprise qu'à la destruction finalement d'un outil de production, quitte à ce qu'il y en ait un nouveau qui soit refait à côté, mais voilà, est-ce que vous avez déjà des éléments de réflexion là-dessus qui existeraient dans d'autres filières? Alors, ce qu'on a présenté, ça a vocation quand même à encourager des reprises ou des repositionnements d'exploitation. Après, c'est ce qu'on a dit aussi, c'est vrai que ça peut paraître plus compliqué de transmettre que de scinder son exploitation. Donc après, peut-être qu'effectivement, il y aurait de la place pour encore des politiques publiques pour encourager ça, parce que ça c'est pas aussi naturel que ça. Et c'est vrai que pour moi, ça repose beaucoup sur la volonté des cédants, comme je disais tout à l'heure. On croit à son outil, on a envie d'installer en jeune. Il y a des gens aussi qui se projettent en se disant « moi, on m'a donné ma chance quand j'étais jeune. Je ne me serais pas fait confiance, mais on m'a donné ma chance. Et aujourd'hui, j'ai aussi envie de donner cette chance-là à un jeune. » Mais c'est vrai que, j'allais dire, il y a des choses qui existent en termes d'accompagnement, mais c'est la volonté. Et c'est vrai que quand on n'est pas tout seul, quand on rencontre, je pense, des gens qui ont les mêmes problématiques, qui se posent le même type de questions, c'est peut-être aussi plus facile d'aller dans cette démarche-là.
et comme on disait aussi d'anticiper, parce que d'avoir cette réflexion assez tôt pour se laisser le temps de trouver un repreneur. Si on s'y prend au dernier moment, ça va être trop compliqué, on ne va pas trouver de solution, ça ne va pas être satisfaisant, donc on va aller au plus facile. Donc la nécessité aussi que les gens soient bien sensibilisés un peu en amont, voire beaucoup en amont de leur arrêt d'activité, pour se donner le temps de chercher un repreneur dans de bonnes conditions. Je crois que le problème vient aussi des fois des porteurs de projets pour qui reprendre une exploitation est parfois plus coûteux que de la constituer. Mais voilà, l'atelier de lundi vous permettra de vous exprimer sur ce sujet pour tous ceux qui veulent apporter des témoignages et peut-être envisager de faire évoluer les. Après, c'est vrai que sur un certain nombre de sujets, il y a des repositionnements d'exploitation en fait. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il y a des exploitations qui ont tourné d'une certaine manière ou qui ont été un peu démantelées, donc on ne peut pas les continuer dans leur système actuel. Et c'est peut-être des opportunités pour des porteurs de projets apicoles aussi. De repartir avec un outil différent, quoi. Enfin, après, voilà, moi je me dis, il y a peut-être une place comme ça qui peut être envisagée. Et peut-être aussi, peut-être une sensibilisation peut-être, auprès d'autres agriculteurs sur les disponibilités des terrains, pour positionner les emplacements. Il y a peut-être une action aussi dans ce sens-là qui pourrait être menée, je ne sais pas. Et encore une question sur comment est-ce qu'on peut accompagner les apiculteurs, enfin tout agriculteur d'ailleurs, pour travailler avec ses enfants sur la possibilité ou non d'une reprise. J'illustre ma question. Dans notre région, on a eu très récemment plusieurs apiculteurs qui s'apprêtaient à arrêter leur activité, donc qui avaient commencé un petit peu à la démanteler, et dont les enfants se sont réveillés un petit peu sur le tard. Voilà, les transmissions se sont faites, mais ça a compliqué les choses. Est-ce qu'il aurait été possible, avec un accompagnement, de déceler peut-être cette volonté chez les enfants plus tôt ? Oui, on pense que oui. C'est pour ça qu'on encourage les cédants à préparer cela tôt, 3-4 ans avant, et on essaye en formation souvent d'expliquer. On conseille aux cédants d'en parler avec son entourage et avec les enfants. Et souvent, moi, les cédants me disent non, mais mes enfants, c'est sûr, ils sont salariés ailleurs, ils ne reviendront pas. Et on leur demande, mais est-ce que vous en avez vraiment parlé ? Est-ce qu'ils sont conscients que vous allez bientôt arrêter ? Puisque des fois, en effet, comme vous avez raison, des fois, au dernier moment, on dit, finalement, si, à 30 ans, 35 ans, 40 ans, mon fils ou ma fille revient sur l'exploitation. Et parfois, c'est trop tard, quoi. Donc, du coup, on incite, lors des accompagnements individuels ou collectifs, à faire ce travail d'échange familial, de discussion familiale sur ça. Ouais. C'est une question importante. Merci de me donner la chance de conclure cette matinée, parce que c'était... moi, je voulais vous féliciter, vous remercier tous là pour la qualité des présentations, la qualité des présentations et des travaux qui ont été présentés. Je vous charge de faire passer le message à vos collègues, à tous vos collègues, puisqu'aujourd'hui vous êtes un peu que la partie émergée de l'iceberg et la partie visible. Mais il y a tout un tas de salariés dans les réseaux ADA et Chambre qui travaillent derrière sur ces thématiques avec tout le résultat que vous nous avez un peu fait parcourir là pendant 2 jours. Donc, merci pour ça. Je suis certain que vos interventions, vu le nombre de participants, ça a été une manifestation de l'intérêt pour ces questions. Et puis, le nombre des questions aussi montre bien l'intérêt de tout le monde pour ça et la pertinence de vos réponses. J'apprécie d'autant plus que moi aussi je suis passé par tout ce parcours d'installation il y a une douzaine d'années maintenant, je dirais dans des conditions un peu préhistoriques par rapport à ce que vous nous avez présenté aujourd'hui. Moi j'étais accompagné par la DASEA à l'époque avec un logiciel où il fallait faire quoi. Enfin, il n'y avait pas de truc spécifique pour l'apiculture, donc on a utilisé un logiciel pour les éleveurs de lapins. En mettant, en considérant qu'une ruche était une cage à lapins. Voilà, donc pour les conditions dans lesquelles j'ai été accompagné, installé. Je suis vraiment content de voir qu'il y a des choses très, très performantes qui existent.
Voilà, hier, on a un peu vu les outils. Aujourd'hui, comment c'est mis en œuvre, notamment dans les points info installation et l'accompagnement des porteurs de projets, y compris en amont au moment de la formation. Reste maintenant à s'assurer que ça soit bien présent sur tous les territoires parce qu'il y a quand même une hétérogénéité qu'on connaît aussi et qui derrière ce que vous avez fait briller aujourd'hui, on sait aussi qu'il y a des chambres où les apiculteurs sont un peu livrés à eux-mêmes aussi, malheureusement. Mais bon, on a une matière à diffuser sur le territoire. Ça tombe bien, on a aussi une convention cadre qu'on a signée là, entre le réseau des ADA, ITSAP et les chambres d'agriculture, qui va permettre aussi de donner un cadre pour aborder ces questions-là et avoir un accompagnement plus optimisé sur les territoires. Autre point, oui, la transmission, c'est extrêmement important dans les filières agricoles. Je dirais qu'en tant que producteur de gelée royale, je suis particulièrement bien placé pour être sensibilisé à ça, puisque le GPGR, qui a été cité plusieurs fois là, comme structure accompagnante, et qui m'a aussi, moi, au moment de mon installation, vraiment soutenu, hein, c'est à peu près, quand même, je dois dire, le soutien le plus fort que j'ai eu à l'époque. C'est important parce que cette association, qui a 30 ans maintenant, a été créée par trois personnes à l'époque, qui justement étaient un peu les dernières en France à maîtriser les techniques de production de gelée et les ont transmises, je dirais heureusement, parce que sinon elles auraient disparu et on n'aurait pas la situation actuelle qu'on connaît, même si avec toutes les limites qu'elle a, mais on a quand même conservé un savoir-faire, une spécificité française grâce à cette transmission. Parce qu'on ne transmet pas qu'un outil de production, on transmet aussi, bien sûr, tout un savoir-faire technique et une capacité à être chef d'exploitation qu'on apprend avec deux choses qu'il faut, à mon avis, surtout pas opposer. Une formation théorique, donc qui se fait à la carte maintenant, et c'est très bien, parce qu'effectivement, il y a des profils très différents et des besoins très différents selon les stagiaires, et c'est parfois un peu dur de rentrer dans tout le monde dans le même cadre de manière satisfaisante. Donc là, cette souplesse et cette agilité qui est en place maintenant me semble aussi être très, très pertinente pour acquérir les savoir-faire qui sont indispensables, hein, puisque le métier change et se complexifie comme tous les métiers de l'agriculture. Donc la formation initiale, la formation continue sont des choses très importantes. Et aussi, bien sûr, l'expérience de terrain, le contact avec les autres professionnels, ainsi de suite, c'est en jouant sur tous ces leviers qu'on a un projet réussi et un projet, voilà. Parce que la mise en échec est aussi douloureuse dans les installations, donc c'est vraiment important que ça réussisse. Et quand j'entends les 70% de concrétisation 10 ans après les formations, je trouve que c'est un chiffre super élevé et qui est plutôt réjouissant. Voilà un peu, moi, ce que je retiens de vos interventions. Donc, je vous remercie une nouvelle fois. Je remercie aussi les participants de s'être emparés de ce format qu'on leur a mis à disposition et d'être venus nombreux, en espérant qu'on soit toujours nombreux le lundi pour une partie qui sera plus tournée vers l'avenir et qu'est-ce qu'on fait de tout ce que vous nous avez présenté depuis deux matinées.